Et bonsoir et bienvenue sur Indécent Podcast. On est le vendredi 27 septembre, c'est incroyable. Et comme je vous l'avais dit, depuis le changement de boulot, je retiens enfin les dates. C'était un énorme progrès, il était nécessaire, hein, je pense, à un moment donné. Et bien écoutez, en tout cas, ça fait bien plaisir de vous voir toutes et tous ce soir pour un nouvel entretien décent. Voilà, le mec, il n'arrive même plus à faire les accords. Tout va bien se passer ce soir. Ça sent bien la fin de semaine. Je pense qu'on est tous un petit peu dans cet état-là. D'ailleurs, ça se voit à mon teint frais et dispo, bien évidemment. Ce soir, écoutez, je vais être tout seul pour recevoir notre invité, puisque le reste de l'équipe est soit pas dispo, soit éclaté, soit fatigué, soit pas dispo. Voilà. Donc l'équipe indécente, bien sûr, dans sa splendeur. Il me reste, avant de commencer à faire venir l'invité, eh bien, écoutez, à vous remercier toutes et tous qui seraient présents dans le chat au fur et à mesure de la soirée et qui nous regarderaient en replay, bien évidemment, demain. Ça, j'aurai l'occasion de vous le redire à la fin de l'émission. Sans plus attendre, comme vous aviez vu un petit peu notre publicité sur les réseaux sociaux et sur notre Discord, pour ceux qui suivent, on reçoit ce soir un invité qu'on avait eu déjà grand plaisir à découvrir il y a déjà plus d'un an, hein, facile, un an et demi, hein, pour un jeu qui tranchait un petit peu, hein, dans la production ludique française en jeu de rôle. Donc on va faire tout de suite rentrer un autre Frédéric. Bonsoir Fred. Bonsoir cher homonyme. Et donc comme je disais, on a eu un énorme plaisir à te recevoir. Alors je ne sais plus, je t'avoue combien de temps, je crois que c'était il y a quasiment un an et demi, ouais, c'est ça? Très précisément, un an et demi, oui. Oh, fichtre, ça va, la mémoire ne me fait pas trop de tours. Donc, c'était pour parler de ton jeu que tu as produit toi-même avec tes petits doigts et ton clavier et tout ce qui va avec. pour produire un jeu donc, d'urban fantasy inspiration renaissance, vraiment centré sur la ville, Argiropée, pour ne pas le nommer. Absolument. Voilà. Donc, bah écoute, on en avait déjà discuté, hein, c'est vrai qu'on échangeait de temps en temps et tout sur la sortie des bouquins, parce qu'il n'y avait pas que le bouquin de base, hein, il y avait l'écran, etc. Et puis bah, du temps s'est passé et tu avais promis de faire un suivi, et donc c'est en cours de financement en ce moment sur Game on Tabletop. Je vais tenter de mettre en même temps le lien dans le chat. Incroyable, ne faites pas tout seul, ne faites pas ça chez vous, hein. Laissez faire les pros. Voilà, bonsoir Feldwin et bonsoir Aranita, donc voilà le lien pour des aventures pour Argiropée. Donc ça va être l'occasion de parler de ce qui est actuellement en financement, mais pas que, bien évidemment. Je vais commencer par la question la plus traditionnelle pour celles et ceux qui ne suivraient pas, là, dans le fond de la classe. On les reconnaît, on vous voit. Qui êtes-vous, monsieur Frédéric Marin? Eh bien, écoute, déjà, merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont la gentillesse d'être soit là avec nous maintenant, soit nous écouter plus tard. C'est un plaisir de revenir chez toi, en fait, sans toute l'équipe, hein, mais tu les embrasseras bien de ma part. Ouais. Et, en fait, pour reparler un petit peu de ce bébé que j'ai, Argiropée. Alors, qui je suis, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je suis, comme tu l'as très bien dit, Frédéric Marin. Je suis un petit bonhomme, un petit savoyard qui vit en Alsace, à Strasbourg.
Et globalement, je fais du jeu de rôle depuis mes 15 ans, beaucoup de Donjons et Dragons en 3.5, hein, j'ai commencé avec ça. Mon premier amour, celui que l'on chérit à jamais. Et depuis, j'ai beaucoup, beaucoup bourlingué, j'ai énormément joué et lu, puisque j'ai une petite chaîne de chroniques de jeux de rôle sur Instagram, et que pour ce faire, bah, j'ai complété ma bibliothèque avec les titres que j'ai toujours voulu avoir quand j'étais plus jeune. Je les achète, je les lis, si je peux, je les joue, et je les chronique. Et donc, en fait, bah, je suis juste un rôliste comme il y en a des milliers en France et ailleurs, qui a peut-être simplement concrétisé son rêve et le rêve de presque autant de rôlistes qu'il y en a de joueurs, de publier son propre jeu de rôle. Et puis quel jeu de rôle, justement. Donc, alors, j'en regarde un petit peu en même temps. Salut François, donc Kamazi. Donc, ça va me permettre d'embrayer tout de suite hein, sur le jeu que tu as produit, donc qui est Argiroplay. Si tu peux nous faire juste un bref résumé, enfin, quand on dit bref, c'est le bref à la Indécente, hein, donc c'est-à-dire tu prends ton temps, voilà. C'est ça. Je vais être exhaustif. Voilà, fais-toi plaisir, c'est ton moment. Eh ben, comme je l'avais dit il y a un an et demi, Argiropé, en fait, c'est le produit de gestation c'est le produit d'une gestation de 10 ans à peu près, mais pas d'écriture intensive, pas de brainstorming. C'est simplement quelque chose que j'ai cristallisé au fur et à mesure du temps, de mes envies de jeu, de ce que j'aimais dans les scénarios, ce que j'aimais dans les moteurs de jeu, et ce dont je ne voulais pas autour de ma table. Donc, en fait, Argiropé, eh bien, tout simplement, c'est la production, c'est mon petit jeu de rôle à moi, qui a pour particularité d'être dans un univers urbain. J'aime beaucoup, beaucoup jouer dans les cités, quand elles sont construites, quand elles sont logiques et cohérentes, quand elles sont tentaculaires. Ce qui est Donc, le plus dur. j'avais très envie de créer une cité, vraiment une très grande cité, la cité d'Argiropée, dans laquelle les joueurs allaient évoluer. C'est ce que j'ai fait, et j'ai mis tout ça dans un cadre, un papier de bonbon, si tu le préfères, de Renaissance Fantasy. Alors par Renaissance Fantasy, j'entends toute la période de la Renaissance européenne, qui va même aller inclure jusqu'au siècle des Lumières. J'ai fait ma tambouille, hein. Ne vous attendez pas de la Renaissance historique, pas du tout. C'est un mélange de plusieurs siècles, et j'ai pioché dedans ce que j'aimais pour construire en fait une cité type Renaissance. Et fantasy, puisqu'on nous a un monde déjà qui n'existe pas, ce n'est pas le nôtre, ça n'a pas été le nôtre, ça ne sera pas le nôtre, et parce que dedans, il y a plusieurs aspects qui sont un peu justement fantastiques. Il y a entre autres la magie qui existe dans cet univers, mais qui est une magie très différente de ce dont on a l'habitude de jouer. C'est une magie douce, c'est une magie qui ne va pas s'exprimer sous la forme d'invocation de démons, de tempêtes de feu, ce genre de choses. C'est une magie d'ailleurs qui est personnelle, qui ne peut pas être lancée sur les autres. Une magie qui est seulement pour soi ou pour affecter les objets et les animaux. Donc on évite tout de suite par exemple les grands éclairs, les projectiles magiques, ça ne marche pas. On est dans un cadre qui est donc de la Renaissance Fantasy et on va même ajouter un peu de la Low Fantasy pour être un peu plus précis sur le spectre de la Fantasy. La Low Fantasy, pour ceux qui connaissent pas, c'est un univers qui utilise les règles de la magie et les univers imaginaires, mais on va dire à un niveau assez bas. C'est-à-dire qu'il n'y a que des humains dans Argiropée. Je ne vous mens pas, il y a une petite touche exotique qui existe ici et là, mais vous, les joueurs, vous ne jouerez jamais que des humains. Le monde n'est qu'humain. Il n'y a pas d'elfes, d'orques, de trolls, de nains, ce genre de choses. Les dragons n'existent pas. On n'en trouvera pas. On en est dans la low fantasy pour justement l'accès à la magie qui est particulière. C'est une magie encore une fois très légère, hein, très subtile, tout en nuances si possible. Et on va jouer donc dans un univers qui est optimiste. Un univers optimiste, ça tranche, comme tu le disais, c'est peut-être pour ça que Argiropée a eu au moins un petit succès d'estime. C'est parce que aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, hein, lorsque vous allez sur les financements participatifs, la plupart des jeux sont des jeux de dark quelque chose. Dark fantasy, C'est un peu l'époque, hein, qui veut ça, je dirais. Tout à fait. C'est très simple, hein, c'est la cristallisation des angoisses de notre époque. Mais bon, je suis pas là pour juger, je le comprends tout à fait, et moi-même, je suis un grand amoureux de Nightcrawler, par exemple. J'adore jouer dans la cité de Samarande. Mais au bout d'un moment, j'en avais marre de prendre des coups de dague dans le dos dès que je sortais simplement de la taverne. J'avais envie de changer les choses et de plutôt proposer un cadre de jeu dans lequel les joueurs pourraient justement évoluer dans toute la cité en toute sécurité. Et les aventures que l'on va y vivre ne sont pas des aventures où l'on va tuer, assassiner ou dépouiller. Ça va être quelque chose d'un peu plus subtil.
tout bonnement parce que la cité, si elle a un cadre jeu optimiste, eh bien, il faut le supporter par quelque chose. Et ce support, en fait, eh bien, c'est l'élévation de la cité d'Argyropée grâce à des ressources argentifères qui sont sous l'immense colline qui soutient la cité, qui ont été investies non pas dans la guerre ou dans l'espionnage ou ce genre de choses, mais dans l'histoire de la cité, cet argent a été investi dans la culture, dans la science, dans la philosophie, dans l'art et globalement dans l'élévation sociale. Donc en fait, Argyropée, ça a un cadre de jeu qui est propice en fait à jouer des aventures qui vont être inscrites dans l'art, la religion, la science, l'économie. Il peut y avoir, la pègre est présente, mais c'est une pègre qui va être légèrement différente de celle que l'on connaît d'habitude. Vous n'aurez pas les clichés d'assassins. Les guildes, etc. Ouais. Il y en aura. Il y a une hiérarchie, bien entendu, dans le monde du crime, qui est d'ailleurs souvent en parallèle à la hiérarchie de la cité. Mais bref, tout ça, on rentre dans des détails qui sont peut-être un peu superflus ici. Tout ce que je voulais ajouter, c'est que Argyropée va avoir quelques particularités. Parce que vous allez me dire, ok, Argyropée, c'est une grande cité médiévale fantastique ou Renaissance fantasy, si tu as envie, dans laquelle bon, les gens apparemment sont plutôt contents. Effectivement, les gens sont contents. Il y a comme par exemple, pour donner des idées, hein, mais la religion qui est présente dans la cité n'est pas une religion qui est oppressante. Elle est là pour aider le peuple. Il y a une égalité homme-femme qui est acquise depuis fort longtemps. Il y a pas mal de choses comme ça. Bon, bah, en fait, voilà, tout est beau, tout est rose, tout est utopique. Déjà pas du tout. N'oublions pas que l'optimisme, eh bien, c'est le terreau des opportunistes. Vous allez avoir forcément des choses qui vont se passer en sous-main. Et vous aurez toutes les nuances de gris dans Argyropée. On va juste éviter le blanc pur et le noir pur, puisque on va essayer de s'échapper, de comment dire. Oui, c'est pas bien contre le mal, c'est ça. Voilà, on va exactement. On n'est pas sur la dualité, quoi. On n'est pas sur la dualité. On va quitter le manichéisme. Mmh. Et les parties, vous allez me dire encore une fois, bon, c'est rigolo, mais moi, je joue dans la cité. Ok, elle fait combien? 1,5 million d'habitants. Ok, elle est très grande, il y a 91 quartiers qui sont tous décrits dans le livre d'univers. Chaque quartier ayant ses spécificités, il y a des quartiers sur la colline, autour de la colline, dans la colline, puisque les anciennes mines argentifères qui se sont épuisées sont devenues des quartiers entiers d'habitation, ou d'artisanat, ou d'industrie, etc. Mais moi ta cité, elle est rigolote, mais déjà je vais y mettre je vais la mettre à feu à sang facilement, j'ai l'habitude de jouer dans Donjons et Dragons, et quand j'en ai marre, je m'en vais. Eh bien non, la cité est frappée par quelques anathèmes assez étranges qui font justement un peu l'épice d'Argyropée. Tout d'abord, vous n'allez jamais pouvoir quitter la cité d'Argyropée. Pour une bonne et simple raison, c'est que lorsque les habitants d'Argyropée, ceux qui résident à Argyropée depuis leur naissance ou ceux qui y restent trop longtemps lors d'un voyage, vont développer ce qu'on appelle la mélancolie. D'où est-ce que ça vient? On ne sait pas. Quelle est son origine? Divine peut-être? On ne sait pas. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on essaye de quitter la cité, plus on s'éloigne d'elle, plus il va y avoir un sentiment de déprime qui va s'instaurer, une dépression de plus en plus profonde, qui va finir jusqu'au suicide, qui va aller jusqu'au suicide si jamais on ne revient pas dans la cité. Donc avec ce petit mécanisme qui est propre donc à Argyropée et dont tous les secrets sont détaillés dans le livre d'univers, bien entendu, pour le maître de jeu, vous allez pouvoir inscrire votre périmètre de jeu dans la cité. Il y a un petit côté, ouais. Je ne sais pas si tu avais vu la série Once Upon a Time. C'est des habitants de contes de fées qui sont emprisonnés dans un patelin. Ils peuvent pas en sortir. Bah là, en fait, c'est un peu ça. Là, le patelin est gigantesque. Hein. C'est vraiment une cité tentaculaire, extrêmement riche, la plus riche de l'univers dans lequel on joue, de l'univers connu en tout cas. Mais de toute manière, cet univers n'a pas d'intérêt puisque vous ne pourrez jamais la quitter. Et une autre chose un peu particulière qui fait justement, encore une fois, cette fois le poivre d'Argyropée, ça va être le châtiment vermeil. Quand je joue à Nightcrawler, quand je joue à Cthulhu, quand je joue à Donjons et Dragons, le premier cultiste, le premier bandit, le premier assassin qui vient me chercher des noises, en règle générale, il finit ses pieds sous terre. Lui ou moi d'ailleurs, mais c'est ce qui se passe. Et il n'y a pas de souci, on tue à foison dans les jeux de rôle. C'est pas un problème, il n'y a pas de conséquences véritables. C'est parti des oppositions, oui. Bah, ça vient du wargame, hein, donc ça s'est resté dans l'ADN. Hein.
Eh oui. Eh bien justement, j'ai essayé de changer un peu cet ADN en proposant dans RJ-Europé ce second anathème qui, non plus, dont l'origine n'est pas connue des joueurs, mais du compteur, bien entendu, oui, qui s'appelle le châtiment vermeil et qui fait que dans RJ-Europé, lorsque l'on commet un meurtre, volontairement ou non, on va avoir l'iris qui va se colorer de rouge. De fait, la garde a une facilité déconcertante à attraper les assassins. Et donc, aujourd'hui, dans RJ-Europé, les meurtres sont extrêmement rares. Il y a toujours des accidents, il y a toujours un meurtre passionnel, ça existe. Mais les assassins, eux, n'existent plus, parce qu'ils se sont fait tous attraper depuis fort longtemps. Et en plus, ça va changer la manière dont vous allez jouer. Puisque si vous ne pouvez plus régler vos problèmes d'un bon coup de dague, vous allez devoir trouver des manières alternatives de régler vos différends. Et ça peut être par plein de choses. Mais vous pouvez toujours oxyre votre adversaire. Mais ça va avoir un coût. Un coût sur vous, un coût sur votre personnage joueur. Vous, parce que vous allez devoir changer la manière dont vous jouez. Votre personnage va devoir se cacher tout le temps. Et votre personnage, lui, sera marqué à vie. Et comme avec ce châtiment vermeil, on a les yeux rouges, que l'on tue volontairement ou non, eh bien, c'est difficile, on ne sait pas si quand on attrape quelqu'un, il est coupable, ou si c'est un innocent qui s'est fait piéger, ou c'est une maladresse, quelque chose. Et là aussi, ça va apporter pas mal de manières de jouer, de raisonner, et des enjeux propres à RJ-Europé. Ouais, écoute, ouais. Moi, ça m'a fait penser aussi à une espèce de petit. Alors, c'est très léger, mais dans ce que tu l'écris, ça fait un petit côté solarpunk quelque part, dans une cité utopique, quoi. Alors, c'est ce que tout le Mais monde me dit, mais bon, on le est solarpunk, loin c'est de autre chose, hein. l'utopie. Oui, Déjà, voilà. c'est ça. Et on est loin de l'utopie. Très, très loin. On n'est pas tout est rose, tout est beau. Pas du tout. La cupidité est là. Vous avez du marche, vous avez de la contrebande, vous avez de la contrefaçon, vous avez des chantages politiques. Tout existe. Les enlèvements existent. Ce qui va changer, c'est la manière dont vous allez aborder ces problèmes et les résoudre, surtout. Encore une fois, la violence ne sera qu'une solution très extrême dans RJ-Europé. Donc en fait, on s'éloigne du solarpunk. Et puis surtout, RJ-Europé n'est pas punk dans sa définition, loin de là même. Oui, c'est plus dans le côté optimiste que je citais ce courant, qui est quand Je même très comprends. particulier. Hein, ça, on en reparlera sur la chaîne un de ces jours. On présentera ce que c'est réellement le solarpunk, ce que ça peut être un jeu de rôle solarpunk. Mais c'est un autre sujet, effectivement. Mais il y avait quelques aspects dans le côté. Ce serait plutôt même une ville à la limite où les dirigeants auraient réellement lu Le Prince de Machiavel, qui n'est pas vraiment ce qu'on en croit, hein, malheureusement. C'est bien plus que ça. C'est comment satisfaire le peuple pour se maintenir au pouvoir. C'est plutôt ça, Le Prince. De mémoire, ça fait longtemps que je n'ai pas relu. Mais bref. Donc ça me fait penser, c'est plutôt ces accents-là, puisque Renaissance italienne, forcément. Oui, il y a de ça. Il y a beaucoup d'inspirations diverses. Hein. Bien entendu, le jeu de rôle n'a pas été la seule source d'inspiration pour RJ-Europé. J'ai pioché dans l'histoire, dans le monceau de connaissances que j'ai accumulé depuis plus de 30 ans. Oui, généralement, quand on pratique le jeu de rôle, on aime bien lire des livres d'histoire, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Très étrange. Aucune idée. Voilà, je fais un petit coucou à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Donc, Caracol, dont on va reparler un petit peu, hein, d'ailleurs. Ouais. Alors, Bye and Bye the Goat, voilà, salut. Salut les copains de Dice Story. Oula, Killet, bah non, celui-là a été banni. Voilà. Et je vois effectivement Feldwin qui nous dit davantage d'intrigue et davantage de roleplay, bien évidemment. Et bonne soirée Marie. Voilà, petit aparté terminé. Donc ouais, RJ-Europé, donc c'est tout cet univers donc que tu as amené en financement participatif donc il y a un an et demi. C'est aussi pour ça qu'on t'avait reçu, parce que le Tout à projet fait. nous avait beaucoup intrigué. On avait été très agréablement surpris, pour pas dire plus. Et c'était sorti en plus dans les temps, incroyable. Mais qui livre ça dans les temps, un truc qui n'arrive plus. Non, je rigole, ça arrive, heureusement. Donc voilà, c'est tout avait été livré. On va reparler hein, de l'accueil après derrière. Mais au niveau de la production, donc il y avait donc le bouquin d'univers, le livre de règles. Alors, je vais te les faire tout Ouais, simplement, ouais, si ouais. En plus, ils sont sur la page, donc j'ai juste à aller voir. Il y a un diptyque. Les joueurs n'ont besoin que de un diptyque. Un livre qui présente l'univers et ses secrets, Ouais. et un livre qui présente les règles et le bestiaire. À savoir que les secrets et le bestiaire sont avec des tranches grisées qui sont réservées au compteur. Mais tout le reste, c'est lisible par le joueur. Donc en fait, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. À la limite, vous n'avez besoin de rien d'autre en tant que joueur. Pour le compteur, j'ai sorti justement un écran, donc dont on voit en fond d'écran
une toute petite fraction. Ouais, j'avais fait exprès de le mettre parce que l'image était vraiment magnifique. L'illustrateur qui a travaillé dessus a fait un travail absolument phénoménal. Je suis complètement d'accord. J'ai une belle bande en fait d'illustrateurs avec moi qui y a plein de belles choses qui se sont faites. Donc il y avait ça. L'écran était accompagné d'un tout petit fascicule d'une quarantaine de pages qui présente une aventure pour 5-6 heures qui s'appelle Anarchitecture, qui a pour but en fait d'incarner de la lutte des classes, une lutte sociale et un petit acte de vengeance, mais sous des atours plus de grands guignols, pas dans le sens hyper comique, mais dans le sens où on va mettre un peu le bazar. Donc, j'en dis pas plus pour ceux qui veulent le découvrir. Il y a eu ensuite 3 autres suppléments qui sont déjà sortis. Chaque supplément est un supplément d'aventure, c'est-à-dire un scénario. Il y a premier supplément, qui est, comme son nom l'indique, une introduction à l'univers et aux règles. L'idée, c'est de jouer 4 personnages qui sont totalement amnésiques pour des raisons propres au jeu. C'est un fil très connu, hein, c'est comment dire une mécanique très connue du jeu de rôle, mais qui là va avoir le double effet de permettre aux joueurs de venir sans avoir lu quoi que ce soit. Ils vont découvrir la cité et les règles en même temps qu'ils vont découvrir leur feuille de personnage, puisque leur feuille de personnage est totalement vierge. Donc en fait, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est très didactique. C'est une aventure d'une quinzaine d'heures de jeu sur 84 pages. Ça va. Après, il y a quoi bien découvrir l'univers, quoi. Ah oui, mais on y va en douceur. Et en fait, vous allez voir, enfin, pour ceux qui veulent le jouer ou qui l'ont joué, c'est une enquête urbaine. Donc, il y a vraiment une grosse partie d'enquête, réflexion, découverte, recherche de pistes. La suite, c'est Clair de Lune, qui est un scénario encore plus gros, 112 pages, qui, lui, est une petite campagne qui va traiter de l'art et de la science. En particulier, on va se mettre à la recherche d'un astronome disparu qui aurait découvert des traces de vie sur la Lune avec un télescope muni d'une lentille très particulière. On est dans un drame. C'est un drame, on joue un drame qui est porté par un scénario avec des axes forts, une thématique assez forte, dont je ne dis rien puisque c'est le but de la découvrir. Et on est aisément sur une trentaine d'heures de jeu, plus si on veut fouiller quelques quête secondaire, on va dire, axe secondaire de jeu que j'ai mis. Et ensuite, qui avait été débloqué aussi pendant le premier financement, il y a Fripouille. Fripouille, c'est une aventure très courte, mais qui présente bien justement, pour ceux qui veulent jouer un peu les malandrins d'Argiropé, vous allez jouer des gâcheurs. Les gâcheurs sont spécialisés dans l'art de gâcher ce qui est beau. L'art, le sport, etc., ce sont des gâcheurs à gages. Ils sont engagés pour saboter quelque chose. Croche-pattes, graffiti et tout le reste, quoi. On va aller un peu plus loin que ça, quand même, effectivement. Mmh. Mais voilà l'idée. Et en fait, dans Fripouille, eh bien, c'est particulier puisque c'est une aventure qui se joue en une soirée, hein, peut-être un peu plus, pour 2 personnes. Et sans spoiler, la manière dont est écrite le scénario est vraiment particulière. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été vu dans le reste du monde du jeu de rôle, donc je me targue de cette petite, on va dire, toujours plaisir. Ce brin d'exotisme. Voilà. Ouais. Ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle, ils peuvent le commenter s'ils le veulent, et les autres peuvent le découvrir peut-être un jour. Ouais. Et j'en profite, parce que ça m'y fait furieusement penser, et voilà, la référence m'est revenue, lisez Parleur, Chronique des rêves enclavés d'Ayerdal. Voilà. N'en dis pas plus. Je sais pas si tu l'as lu. Pas du tout, je ne vois pas de quoi tu parles, mais je serais très curieux de lire. Alors justement, c'est une cité, pareil, fin Renaissance, début, juste avant la Révolution française, si tu veux, où tu es dans une cité où, un petit peu utopique, et les forces royales, impériales, si tu veux, arrivent dans la cité pour mater un petit peu tout ce petit monde, et tu suis le destin de personnages qui font vivre la cité, parce qu'une cité, quand on dit qu'une cité est vivante, c'est parce que c'est les gens qui sont dedans qui la font vivre. Et c'est le destin de plusieurs personnages qui racontent les passions, ce qui fait que cette cité a son émancipation, ses rêves utopiques aussi. Et ça fait un peu penser à la Commune de Paris. Enfin bref, en tout cas, voilà, Parleur de Heyerdahl, allez-y, parce que c'est dingue que tu décris, on est en plein dedans, quoi. Ah, c'est intéressant. En termes d'inspiration, c'est... Ouais. En tout cas, je ne vais pas me targuer d'être l'inventeur de ce genre de choses, clairement pas. Je suis persuadé que d'autres personnes l'ont déjà... C'est juste que ça m'y a fait penser, en fait, surtout, parce que c'était une lecture qui m'avait vraiment marqué déjà à l'époque. Donc, je prendrai note. Je suis curieux, ça va probablement m'inspirer pour d'autres choses.
Il y a des chances. Mais non, enfin voilà, rien qu'en la lecture en elle-même déjà est intéressante, mais c'est surtout par rapport à RJOP que ça met en tête. Bien sûr. Mais donc voilà, RJOP, c'est ce qu'on a décrit, deux livres de base, un écran et 4 suppléments aujourd'hui sortis. Et j'avais fait cette promesse à la communauté, c'est que RJOP, je n'ai pas envie que ce soit une gamme morte. Fermée, c'est voilà. Ça. J'utilise le mot mort plutôt, parce que le côté fermé, pour moi, ça ne me dérange pas dans le sens où si une gamme est fermée, c'est-à-dire qu'elle a un début, une fin, c'est annoncé. Et toutes ces gammes qui sortent aujourd'hui, ou hier, plutôt hier d'ailleurs, qui annoncent un livre de base, un écran, peut-être un supplément, et on attend toujours la suite des décennies après, ça, pour moi, ce sont des gammes mortes, celles qui étaient portées par un auteur ou des auteurs, et qui n'ont jamais conclu, qui ne sont jamais allées plus loin, et en fait, tout le monde, c'est des pétards mouillés. Et c'est extrêmement frustrant. C'est quelque chose qui fait très mal. C'est quelque chose que je ne voulais pas pour RJOP. C'est quelque chose que je veux faire vivre. J'ai beaucoup d'histoires à raconter. J'avais fait cette promesse il y a un an et demi. RJOP continuera à vivre. Et je reviens un an et demi plus tard pour tenir cette promesse. Eh bien, écoute, avant qu'on aille voir un petit peu le financement, on va parler justement, parce qu'on commençait un peu à l'évoquer tranquillement, les retours des joueurs et puis l'accueil presse. Donc, dans l'ordre que tu veux. Bon, l'accueil presse, je le connais déjà un petit peu, parce qu'on se connaît entre collègues, mais qui était plutôt dithyrambique, on va dire, mais je te laisse en parler, toi. C'est difficile pour moi d'en parler, mais je dois avouer que j'ai été incroyablement surpris, et en bien. Comme tu l'as dit, la presse s'est montrée très, très motivée, très emballée par le projet, qui, encore une fois, est un projet sorti par juste moi. J'ai engagé des illustrateurs pour travailler dessus, mais à fond perdu. Ah oui. L'idée, c'était de me rembourser avec le premier financement. C'est toujours le cas ici, de rembourser en fait l'argent que j'ai déjà dépensé pour payer tous les illustrateurs en amont du projet. Oui. Et je suis tout seul à la réalisation. Je suis aidé par une quantité phénoménale de gens pour des tas de choses. Ma femme, qui est un support phénoménal. J'ai des relecteurs incroyables, Ismarène, Peach et d'autres. J'ai une communauté qui est derrière moi, qui est top, qui donne des idées, qui propose des choses, enfin, bref. Mais c'est la production globale d'une personne. Ça va être moi qui va être derrière les textes, le maquettage, la mise en page, l'impression, l'envoi, le papier bulle. C'est moi qui vous mets le scotch sur les cartons. Donc, c'est pour un truc comme ça, d'un indépendant total, et il y a un an et demi, enfin, je n'étais pas connu. Je ne vais pas dire que je sois particulièrement connu aujourd'hui, mais il y a un an et demi, personne n'avait jamais entendu parler de moi. Et le retour, en tout cas, ouais, les retours ont été fantastiques. Plusieurs nominations à des prix, le prix du jeu de rôle indépendant avec le prix rôliste, c'est enfin des nominations, tu vois, au Grog du mois. C'est fantastique. C'est juste fantastique pour quelqu'un comme moi. Ça envoie des paillettes. Il y a pas d'autre mot. Ouais, c'est de la reconnaissance pour le boulot, c'est ça. Oui, c'est vrai. Les prix, en fait, c'est ça, quoi. Oui, bien sûr. Mais d'une certaine manière, je trouve ça assez fou parce que pourquoi moi ? Je veux dire, on est des dizaines, des centaines chaque année à avoir nos propres idées de jeux de rôle, à essayer de les publier, machin truc, et que je sorte du lot, tu vois, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle reconnaissance. Donc, c'est juste fantastique. Ouais, alors là, je parle pour la chaîne, pour le coup, je vais pas parler pour les copains. Mais peut-être que la proposition est arrivée aussi à un moment où il y avait la demande pour ce genre d'univers. Parce que les jeux de Renaissance Fantasy, il n'y en a pas non plus des trillions de tonnes, quoi. Il y en a, Je pensais déjà à 7ème mer, par défaut, poum, c'est le premier qui vient en tête. Tu as Mousquetaires et Sorcellerie pour les plus anciens, des Simulacres aussi. Il y en a plein, bref. Oui. Les Lames du Cardinal. Les Lames du Cardinal, tout ce qu'il faut. Mais des jeux purement urbains, c'est quelque chose qui, je pense, tente beaucoup de gens en production, mais... il n'y en a pas autant que ce qu'on pourrait croire. On va penser aux plus connus en Heroic Fantasy, donc la Elite, Ptolus, Lankmar, Waterdeep, chez Donge, par exemple. Ouais. Samarande, que j'aime bien citer toujours. Pour Nightcrawler, voilà, il n'y a pas non plus des millions de cités décrites, etc. Donc, peut-être que c'était le moment aussi, pareil, comme tu dis, Dark Fantasy, je suis comme toi, j'adore, c'est un kiff. Mais de temps en temps, avoir des propositions qui sortent un peu de l'ordinaire, je pense que c'est peut-être une conjonction à un moment donné, qui a fait que ça a été super bien accueilli aussi. Et puis, parce que c'était une proposition intéressante, tout simplement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu un alignement d'étoiles. Il y a eu un alignement d'étoiles, absolument. Je veux dire, c'est juste une succession de plein de choses. En tout cas, l'accueil a été très bon du côté de la presse, et le public aussi.
Je suis excessivement content quand je vois les critiques qui sont faites sur le grog, quand je vois les Ouais. retours que j'ai, des gens en fait qui m'envoient des retours de jeu, ce qu'ils ont pensé des scénarios, comment ça s'est déroulé. J'ai eu des photos, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils ont fait C'est ça le plus important, je veux dire, parce que la presse, va, c'est bien gentil, mais le plus important pour toi, c'est plutôt des retours de joueurs, de gens, comment ils l'ont mené, etc. Voilà. Et que en fait le jeu soit joué. Vivant. En fait, Bah oui. voilà. Et c'est très bien parce que ça a été très chouette. J'ai eu beaucoup de retours extrêmement positifs. J'ai eu des retours qui m'ont dit, bah écoute, il y a ça, selon moi, c'est à améliorer. J'ai eu des conseils pour la suite. Tiens, si tu fais d'autres scénarios, je te conseille ceci, cela. Je suis pas tombé jusqu'à présent sur des personnes qui ont été virulente dans le but de blesser. Aujourd'hui, j'ai une communauté aujourd'hui qui est bienveillante, mais qui, quand il y a quelque chose à dire, le dit et de manière correcte. Et ça fait plaisir, tu vois, d'avoir un terreau d'adorateurs. C'est pas là-dedans qu'on fait pousser les meilleures plantes. Non, il faut justement avoir quelque chose d'un peu mitigé et d'avoir, bah, comme dans RJROP, pas que du blanc, pas que du noir. Il y a du gris, toutes les nuances. Donc en fait, bah, les retours aujourd'hui sont très bons. Je suis très très content et j'ai pris note de tout ce qui m'a été conseillé. Donc, il n'y aura pas de V2 tout de suite d'Argiropé parce que les règles fonctionnent bien, l'univers fonctionne bien, mais disons que j'ai mes notes pour moi pour toujours faire attention justement pour proposer un produit de qualité aux joueurs et aux compteurs. Oui, parce que je me souviens que c'était une de tes volontés dès le début, hein, d'avoir des produits qualitatifs aussi, même si tu étais en solo, hein, mais de produire quelque chose, voilà, qui tienne la route en termes de qualité de produit, tout simplement, tu es déjà bien, quoi. Alors, effectivement, néanmoins, il y a un petit, comment dire, une nuance à apporter, c'est que j'ai toujours voulu apporter une qualité de fond à RJROP. C'est-à-dire que je développe des scénarios qui sont, en règle générale, très construits, très détaillés, clés en main pour le maître de jeu, avec énormément d'interactions, de propositions ludiques, de thèmes variés, ce genre de choses. Mon but, c'était de construire une cité qui soit logique sur tous les plans, cohérente, avec pas mal d'influence. Et c'est ce que j'espère avoir réussi à faire. Par contre, clairement, je ne peux pas m'aligner sur la qualité physique de production des grandes sociétés d'édition. De fait, c'est pour ça aussi que vous avez un jeu de rôle qui est en noir et blanc. Vous avez des illustrateurs qui ne sont pas des illustrateurs mondialement connus. Vous avez plutôt des gens, on va dire, un peu comme moi, des gens qui travaillent par plaisir et qui ne vivent pas forcément de ce travail-là. Donc en fait, ça va être un conglomérat ici à RJROP, un conglomérat de personnes qui donnent tout dedans, qui adorent, mais qui n'en font pas, qui n'en vivent pas. Et donc, de fait, en termes de forme, non, RJROP ne peut pas égaler les standards de qualité de production aujourd'hui, mais j'ai fait quelques choix. Par exemple, tu vois, si vous prenez les livres, la texture du papier, c'est une texture typique de roman. Pour retrouver une sensation justement qui, bah on en parlait un peu, tu vois, les premiers livres de Warhammer, de Hearthstone, tu vois, une sensation textile du papier légèrement rêche. Et bah ça va avec aussi la sobriété de la mise en page, le côté noir et blanc. Un petit retour aux sources. Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de jeux ces derniers temps qui vont sur le noir et blanc, de toute façon. Alors le coût y est, hein, bien évidemment, mais aussi parce qu'il y a des choix artistiques derrière. Donc je trouve ça très intéressant parce que, après tout, hein, on n'est pas obligé d'avoir les couleurs qui pètent dans tous les sens selon le type de jeu. C'est toujours pareil. Ta Absolument. proposition aussi. C'est sûr que si tu fais un truc à la donge, si t'as pas des couleurs qui pètent dans tous les sens, ça va faire un peu triste. Mais c'est parce que c'est la proposition qui va avec aussi. Tout à fait. Les deux sont liés de toute manière. Et puis moi, vu que j'avais envie de retrouver encore une fois cette petite patte des jeux des années 80-90, ils étaient quasiment tous en noir et blanc et Oh bah ça ne oui. m'a jamais, jamais empêché de voir les couleurs là où je voulais les Bah, voir. même les modules de TSR, hein, qui étaient pourtant distribués à des centaines de milliers d'exemplaires, hein, ils étaient tous en noir et blanc aussi à cette Eh époque-là. Hein, oui. donc, Voilà. voilà. Ceux qui bavent sur Dark Sun, hein, pour parler par exemple de cet univers-là, pour parler de Dark Fantasy, c'était en noir et blanc à l'intérieur et c'était pas très très beau au niveau de tous les dessins. Mais bref, c'est encore un autre débat. Moi j'avais une question pour toi, tiens, j'en profite, parce qu'on parle de retour de joueurs et autres. Tu t'étais déjà baladé un petit peu en festival, salon, convention pour présenter le jeu ou pas trop? Alors, pas beaucoup. J'ai fait le Don des Dragons l'année dernière à Strasbourg, parce que Strasbourg. oui, c'est local. Mais non, je ne vais pas en convention pour deux raisons.
Déjà familial, j'ai une famille. Partir tout le week-end, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc ça demanderait déjà un investissement personnel que j'ai pas forcément envie de payer. Et c'est un investissement financier. On me dit, mais va au Fige, va au Octogone, etc. Ou le fige, non. Mauvaise... Enfin, je suis On pas me le censé le dit. dire, mais c'est bonne idée. On me le dit. Et fondamentalement, pourquoi pas, si je le pouvais déjà familialement, je le ferais. Mais ça a un coût. Se déplacer là-bas avec des cartons de livres pour pouvoir les vendre sur un stand. Donc ça, il faut payer l'essence, la voiture, la nourriture, le logement. Il faut payer la table pour pouvoir installer tout ça. Oui. Il y a les commissions, les frais, etc. Le coup qu'on va aller boire avec les copains. Parce que si moi je te croise dans un festival ou si je croise n'importe qui de ma communauté, c'est absolument certain que ce que je vous propose, c'est d'aller boire un verre ensemble, une fois que je suis libre. Parce que j'ai des gens à remercier et que ça me fait immensément plaisir de rencontrer cette communauté. Tu te rends bien compte que ça va coûter des centaines, voire peut-être plus d'un millier d'euros, clairement, Ah pour deux, trois mais jours. imagine juste pour nous hein, quand on se déplace aussi en festival faire les interviews, on lâche un paquet de pognon, hein, on se dit mais on est des fous en fait. Et Mais moi, bah, bon. je ne peux pas me le permettre. Voilà. Et parce que pourquoi? Parce que cet argent, il va dans la production des futurs suppléments. Parce que ce temps que je ne passe pas en convention, je le passe avec ma famille et le temps qu'il me reste sur RJROP. Donc en fait, c'est un choix. C'est un choix qui peut paraître stupide selon certains angles. Je Non, suis non. d'accord. C'est financièrement, faut pouvoir le supporter, hein. Oui, mais Oui, ça n'empêche franchement, pas. Tu vois, je pourrais faire un effort peut-être une fois dans l'année, quelque chose comme ça. Mais techniquement, bon. je préfère largement mettre tout cet argent et ce temps, cette énergie sur la production de qualité d'argiropé. Et tant pis, pour le moment, j'ai une communauté qui fonctionne très bien via les réseaux sociaux et via le Discord. Ça va, ça va. J'allais dire, au pire, bon, Don Dragon, là, c'est une convention qui est très réputée. Et au pire, il y a Kaisersberg, hein, qui est pas trop loin encore. C'est vrai, mais le problème, c'est que bah, tu vois, le Don de Dragon, je prends mon vélo, j'y vais, je rentre le soir, le matin, je rentre le midi, je peux m'occuper de mes enfants, etc. Kaiser, c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie de route. Non, si j'y vais, c'est pour au minimum la journée, voire les 2 jours. Et en fait, c'est comme si j'allais Octogone. C'est pareil. Ouais, Voilà. c'est sûr. Donc là, c'est moins un problème d'argent, c'est la contrainte familiale. Oui. Après, il faut trouver ouais, des activités pour les petits, etc. Donc, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'était la pub un petit peu pour les festivals qui sont dans le coin, tu vois, Kaisersberg, Jeux et Compagnie à Épinal, parce que sinon Marie va me dire pourquoi t'as pas cité Jeux et Compagnie. Donc voilà, c'est fait. Donc c'est vrai que on a de la chance quand même dans le Grand Est d'avoir pas mal de trucs, quoi, hein, Oui, hein, qui et il y a permettent des de plus petits sortir. festivals aussi qui Ouais, existent. tout à Molsheim fait. fait des jeux, etc. Par exemple, Ouais. c'est très chouette. C'est très chouette. On a de la Ouais, chance. ça vit bien. Ouais. Donc bah voilà, comme ça C'est une répond. belle Mais région. oui, on aura l'occasion de se croiser si un jour on passe sur Strasbourg ou si tu viens dans le coin de Metz. Hein, voilà, message passé. Avec la petite famille. Hop, petit message perso. Et ben du coup, on va se poser un petit peu maintenant de savoir ce que c'est exactement RJOP Aventure. À mon avis, je pense que c'est des scénarios. Est-ce que j'aurais peut-être pas un petit peu raison quand même? J'ai peur que tu aies raison et que de toute Oh. manière tu aies raison tout le temps, puisque dans RJROP, eh bien aujourd'hui, ce que je vais publier, ce que je prévois de publier pendant les 2 prochaines années à minima, ce ne sont que des scénarios d'aventure. Pourquoi? Parce que l'univers est entièrement décrit dans les moindres détails dans le livre d'univers. Toutes les règles nécessaires qui ont été testées, playtestées et ainsi de suite pendant des années sont dans le livre de règles. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de développer l'univers. Il n'y a plus besoin de développer les règles. Pardon. Ce qui fait jouer, ce qui va faire vivre un univers, une gamme de jeux de rôle, c'est les aventures. Il faut faire jouer la communauté. Et c'est ce que je veux faire. J'ai encore une fois plein de choses à écrire, à dire et à faire jouer. Donc ouais, les suppléments d'aventure, eh bien, tu en as deux qui sont en financement participatif. Et hop là, Hop là. magie de la réalisation. Il y en a deux. Il y a le premier qui s'appelle Rêve de Néant, donc le quatrième supplément. On est sur un supplément de 124 pages qui est un thriller. Ici, on va être sur un thriller, une enquête urbaine assez violente, dans lequel les joueurs vont être confrontés justement à un meurtre, excessivement rare, comme on le disait juste avant. Aucun des autres scénarios qui a été publié jusque-là n'aborde le meurtre.
C'est des suppléments 0 à 3, donc 4 suppléments. Il n'y a pas de meurtre dedans. Là, c'est le premier cerneau dans lequel on va explorer le meurtre et ses conséquences. Un meurtre. La mesure rouge, etc. Oui, mais pas du point de vue. C'est pas les joueurs qui vont le commettre. Ils vont trouver quelqu'un, un proche, qui a été assassiné. Ils vont essayer de comprendre tout ce qui se passe. Ils vont remonter en fait un fil d'intrigue qui va les mener loin sur des terrains qui ne sont pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. C'est un scénario assez sombre, assez mature, qui va traiter de thématiques fortes. En off, toi et moi, on a parlé de Spec Ops, The Line. Mmh. Eh bien, tu peux très bien voir quel type de thématique on va développer là-dedans, par exemple. Ouais. Ah oui. Eh bien, c'est le but. On va avoir des personnages très forts, des PNJ très forts, marqués avec une histoire aussi très profonde. En tout cas, j'ai essayé. Hein. Et on va jouer, en fait, dans un thriller. On va résoudre un thriller. Je donne souvent cette référence un peu à la Seven pour le côté un peu angoissant, oppressant et l'enquête un peu en fil tendu. Mais oui, parce que ça interroge sur la psyché humaine, la particularité du thriller. Quoi. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce, qu'est-ce qui va amener quelqu'un, un homme ou une femme, à tuer un autre ? Parce que comme on l'a dit, dans RGOP, ça a des conséquences très fortes. Donc, la raison doit être plus forte que la conséquence. Conséquence qui est l'emprisonnement à vie. Perpétuité, sans aucune chance d'en ressortir. Donc, pourquoi ? Comment ? Tout ça, c'est exploré dans Rêve de Néant. Et ensuite, ici on va être sur un scénario qui va être à peu près pour 2 à 4 joueurs pour garder une ambiance un peu tendue. Et je vous le promets, il n'y a pas les 7 péchés capitaux, ça n'a rien à voir, hein, ça n'a rien à voir avec... pas de petite boîte à la fin. Non, il n'y a pas de boîte. Le deuxième scénario qui est en financement s'appelle Les Crépusculaires. Et là, eh bien, c'est le miroir de ce premier. Les deux ne sont pas interconnectés. Il y a des liens, mais très ténus, mais vous pouvez jouer l'un sans l'autre, l'un après l'autre, dans n'importe quel ordre, ne pas les jouer, on s'en fiche, puisqu'il n'y a pas de fil rouge. Tous les suppléments d'Argiropé peuvent être joués dans n'importe quel ordre ou ne pas être joués. Il n'y a pas d'histoire globale à dérouler. Dans Les Crépusculaires, eh bien, pour la première fois, les joueurs ne vont pas incarner des gens vivants dans Argiropé, ils vont incarner le grand empire qui est autour et qui en a marre de cette botte, de cette épine dans sa botte. Parce que le Grand Empire, il a laissé la cité avoir sa franchise, la cité paye sa franchise au Grand Empire depuis maintenant plus de 100 ans, mais ça n'empêche pas que ça la titille. La cité est très puissante, très riche, beaucoup plus évoluée que le reste de le Grand Empire, et sa technologie est très en avance. Pour pouvoir bénéficier de cette technologie, plutôt que de l'acheter, peut-être que l'un des meilleurs moyens, c'est de la voler. Et ici, dans Les Crépusculaires, on va jouer des agents, des espions impériaux envoyés secrètement à Argiropé pour dérober un secret militaire et accomplir quelques exactions avant de sortir de la cité, puisqu'il y a un compte à rebours naturel. Et oui, la mélancolie. Ils ne peuvent pas rester plus de 3 jours sans risquer d'attraper la mélancolie. Et donc, dans Les Crépusculaires, on va jouer ceux qui apportent la violence dans Argiropé. C'est un miroir du premier. Les conséquences de la violence, dans les deux sens, mais... dans le premier, on va la subir, dans la deuxième, on va l'infliger. Et ses conséquences, eh ben, il va y en avoir, puisque la cité est vivante, elle va réagir. Ce que les joueurs vont faire, ils vont entièrement le décider. Autant le premier est un peu plus linéaire, puisque c'est une enquête, le deuxième, c'est un bac à sable. Vous avez 4 objectifs à remplir, dans l'ordre que vous voulez, de la manière dont vous le souhaitez. Vous pouvez rencontrer des agents dormants, vous pouvez aller voir des contacts, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous infiltrer, tuer, vous maquiller, faire chanter les gens, faire des enlèvements, ce que vous voulez. T'as changé la structure en fait du scénario, quoi. Oui, mais par contre, attention, la cité va réagir. Donc vos actions auront des conséquences. Et donc voilà, ça ce sont les deux scénarios qui sont proposés dans ce financement participatif. Le problème, c'est que la communauté s'est bien emballée pour ce deuxième financement participatif. Bonsoir Denis d'ailleurs. Ouais. Et bah, justement, tiens, je vais rebondir tout de suite là-dessus avant d'incriminer ma communauté. Denis a fait partie des gens qui ont contribué au crépusculaire. En réalité, quand j'ai fait les crépusculaires, j'ai contacté dans le secret. C'est la première fois d'ailleurs que je l'avoue, donc c'est une exclusivité.
J'ai contacté dans le secret 10 personnes parmi les participants du premier financement participatif. Je ne dirai pas pourquoi je les ai contactés, pourquoi j'ai choisi eux ou elles, mais je leur ai à chacun, chacune, proposé de créer un agent dormant. Et ces agents sont inclus dans le scénario. D'accord. Donc en fait, ça permet de faire vivre la communauté et de l'impliquer. Oui. Et puis moi, ça me fait super plaisir. Juste, j'adore voir les créations qui ont été faites. Et Denis a été parmi ces 10 personnes et il a contribué de manière très, très agréable au crépusculaire. D'accord. Et donc voilà, c'est vrai que c'est deux structures de oui. scénarios totalement différentes, hein, qui se font peut-être un peu écho d'ailleurs, hein, c'est le linéaire et le bac à sable. On en discutait un petit peu en off, donc au niveau des inspirations, tu me disais, c'est indiqué dessus, donc je vais mettre la page du financement, oui. dont on verra, on parlera tout de suite après. Alors c'est là, voilà. Donc Rêve de Néant, 128 pages à peu près, couverture oui. souple, hein, donc voilà. Oui. On va citer quand même les auteurs et les illustrateurs. Je pense que ça, c'est quand même important de le dire. Donc, en tant qu'auteur, c'est toi, hein, Frédéric. Illustrateur, donc, c'est... Alors, je te laisse les prononcer, parce que je t'avoue que j'ai peur d'écorcher les noms. Alors, il y a eu Sumit, Shoryul et Daniela. Shoryul et Sumit ont été les illustrateurs intérieurs. D'accord. Et ensuite, Daniela s'occupe de toutes les couvertures de tous les suppléments. C'est toujours elle qui fait les couvertures des suppléments depuis le premier supplément. D'accord. Et AXA, c'est celui qui a fait le blason d'Argiropé qui est derrière tous les suppléments aussi. Donc c'est pour ça que ces deux personnes sont toujours font toujours partie des groupes d'illustrateurs. Donc ça c'est toujours agréable aussi de voir quand tu présentes un scénario tu sais qui est crédité, le style, donc ce qu'on utilisait thriller en cas de psychologie. Durée prévisible 30-35 heures de jeu et les aspirations, ce dont on discutait parce que c'est vrai que moi c'est un petit peu mon dada. Donc Voyage au bout de l'enfer en tant que film, ça va y pire. Cowboy Bebop, le film qui s'intercale entre avant les deux derniers épisodes, bien sûr. Je crois, oui, entre même un chouïa avant, mais effectivement, avant les deux derniers, peut-être ouais, 22-23. C'est ça, peut-être. Juste avant. Donc Knockin' on Mesdor qui était vraiment puissant aussi au niveau de. Enfin, les antagonistes, ils sont gratinés. Vincent m'a beaucoup marqué, l'antagoniste principal. Et pour ceux qui vont le jouer, vont voir les influences. Vous n'allez pas retrouver le scénario de Cowboy Bebop, le film. Oui, c'est vraiment les inspirations. C'est les inspirations qui sont des inspirations dont je revendique clairement, justement, dont je revendique ces inspirations. Ce qui a nourri l'écriture du scénario, quoi. Tout à fait. Donc, À l'Ouest, rien de nouveau, le roman qui est d'une puissance hallucinante. Et ce fameux Spec Ops The Line dont on disait tout à l'heure en off que blindé de défauts, mais purée, qu'est-ce que c'était bon à jouer et que ça tranchait avec le reste de la production FPS de l'époque. C'était assez incroyable. Sur la guerre, quoi. Et ses conséquences et les horreurs. Enfin bref, on va pas vous. Si vous avez jamais fait ce jeu, franchement, allez-y. Même si ça vieillit, hein, vous allez être surpris. Voilà. On ne dira pas plus. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, pour les inspirations des crépusculaires, donc là on est sur 148 pages quand même. Donc pareil, les illustrateurs, 30-40 heures de jeu. Jeux vidéo les plus récents, les Hitman, c'est Rétribution, je crois, c'est ça ? Alors, c'est la trilogie, c'est la dernière trilogie en fait, puisque j'ai trouvé le jeu très marquant sur la liberté totale de la manière dont on peut résoudre les objectifs. Et en fait, c'est exactement le style de jeu que je voulais offrir dans les crépusculaires. Vous arrivez, vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, vous vous déguisez comme vous voulez. Il y avait un petit peu ce côté-là, je me souviens aussi, dans les Deus Ex, si je dis pas de bêtises, mais ça remonte. Oui, mais Deus Ex est quand même plus orienté scénario. Il y a quand même, en général, Deus Ex, c'est 3 ou 4 couloirs qui se rejoignent. Là, c'est vrai, un vrai bac à sable. Ouais. Ensuite, la série des Metal Gear Solid, bien évidemment. Et les films Mission Impossible. Oui, bon, voilà. Si on n'a pas compris que on est dans de l'espionnage et du débridé. Voilà. Espionnage industriel. Bah oui. Ouais, c'est un scénario d'infiltration action. Donc là-dedans, il va y avoir de la pétarade. Ok, donc. Et tous les suppléments que tu sortiras pour AGOP, s'il y en a à venir, on posera la question après. Ce sera à chaque fois du scénario, jamais de développement d'autres trucs autour ou autre. Alors,
Aujourd'hui, ce qui est prévu jusqu'à 2026, ce ne sont que des scénarios, tout le temps. Il y a des subtilités. J'ai sorti l'année dernière un tout petit supplément numérique qui rajoute combien? 24 ou 36 sorts supplémentaires au livre de base. C'est un format numérique gratuit, accessible à tout le monde. Et c'est pas improbable que ça revienne l'année prochaine. Mais ça, c'est du développement annexe, du petit plaisir, du bonbon, si vous le voulez. Tout ce qui va sortir, tout ce qui est prévu de sortir, mais on va encore, si tu veux, il faut qu'on en revienne là-dessus parce que les gens du Discord sont enflammés sur ce sujet. Il y aura peut-être une petite subtilité, mais ce ne seront que des scénarios. Je veux faire vivre Argiropée au travers des joueurs qui jouent, pas qui lisent. Sinon, je sors un bouquin. Et donc, oui, il n'y a que des scénarios qui vont sortir. Et comme je voulais le dire, eh bien, la communauté s'est emballée pour Argiropée. Ça a été financé en un temps Oui, c'est ridicule, vrai. en C'est vrai. quelques heures. En quelques heures, on a passé les 100%, et en 2 jours, la communauté avait fracassé tous les paliers que j'avais mis. Donc, à cause d'eux, Les pour vilains. le prix de ces 2 suppléments, voilà, j'y vois très mal, pour le prix de ces 2 suppléments, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont débloqué 2 autres. Ouais, bah d'ailleurs, je vais mettre la petite bannière qui va bien, regarde. Hop là. Alors, c'est ici. Non, c'est pas ça. Attends, excuse-moi, je mets le truc. Voilà, le financement. Faut que je mette les bonnes bannières pour le chapitrage après, quand même, voyons. Donc, Donc, je suis sur la page du financement. Je descends tout de suite, hein, à ce que tu me dis, ouais. les Ah nouveautés bah de mes tu les cadeaux. trouveras pas, hein. Enfin si, c'est dans Là. les objectifs C'est en ça. dessous. Mais Voilà. bon, ce qui se passe, c'est que non seulement on a atteint l'équilibre financier, c'est-à-dire que je me suis entièrement remboursé de tous les frais avancés, mais qu'en plus, ils ont débloqué rapidement le supplément 6, Voilà, ce ceux qui qui n'oublient n'oublient pas pas de d'aller. rêver. Voilà. C'est un plus petit supplément, il fait 94-98 pages, et c'est un supplément qui est très doux, un supplément où il n'y a pas de violence, et qui est typiquement, on va dire, dans le thème de la fable. Et on va aborder un sujet important dedans, dont je ne parle pas, je le laisse découvrir. Et en fait, la particularité de ce jeu, de cette aventure, c'est qu'on va commencer par jouer des enfants dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Argiropée. Et donc, bah, tout ce que c'est de vivre dans Argiropée, dans un quartier pauvre. Mais attention, quartier pauvre dans Argiropée n'est pas le quartier pauvre de Samarande ou de Laélite. Pas du tout. On va être sur un quartier abandonné où les joueurs, les enfants, si vous voulez, qu'ils incarnent, eh bien, ont un quartier libre. Il y a des tas de maisons en ruine, de la végétation qui a repoussé partout, il y a de l'entraide communautaire, il y a des festivals, il y a des choses comme ça qui se passent, il faut aider ses parents, etc. On va pas être sur du misérabilisme et de la violence, pas du tout. C'est encore une fois un scénario qui n'a pas eu un brin de violence. Et pour le coup, eh bien, il était important pour moi de le sortir, ce supplément, parce que ça, c'est le tout dernier supplément sur lequel a travaillé pardon, Sumit Roy. Sumit était un illustrateur qui a travaillé avec moi depuis le début d'Argiropée et qui est malheureusement décédé d'une crise cardiaque au début de cette année, en janvier. Et en fait, J'ai vu passer le truc. il était en train de travailler sur ce scénario. Et bah, ça a été un sacré coup dur humain. Parce que, ben, bon, outre sa famille, hein, je veux dire, c'est évident que pour sa famille, il laisse derrière lui sa femme Arpita et sa petite Siane, qui a le même âge que mon plus grand garçon, et c'est pas très grand. C'est déjà, moi, ça m'a beaucoup touché de ça, et surtout, on avait lié une amitié au travers de ben, 3 ans de travail ensemble. Aujourd'hui, on échangeait, on n'était plus du tout dans une relation client-illustrateur. Et donc ça m'a beaucoup touché et en fait ce supplément lui est dédié. J'ai changé certaines choses du supplément pour que ce soit plus approprié vis-à-vis, bah, de lui, pour lui rendre hommage. Et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir l'offrir à la communauté en hommage à Sumit. Ouais, c'est bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, eh bien, la communauté a continué à m'embêter. Et on a dépassé le palier des 9 000 euros. Aujourd'hui, Ah!
On a dépassé le palier des 11 000 euros, mais là, il n'y a plus de palier parce que j'ai plus rien à offrir. Ah oui, ça manquait. Ça, c'est le 7e supplément qui est prévu pour l'année prochaine et qui a été débloqué. Donc, que personne ne le lise, hein, mais je le glisserai sans le vouloir dans chacun des cartons. Oh là là, ça alors. Mais sa date officielle de parution, c'est février de l'année prochaine. Donc moi, j'y peux rien, c'est juste une erreur. C'est honteux. Le déclin des idéologies est un scénario qui est extrêmement particulier et qui, je pense, là non plus, n'a jamais été joué, ou en tout cas, je n'en ai pas connaissance, dans le monde du jeu de rôle. Parce que c'est un scénario déjà qui est un joueur, un maître de jeu. Mmh. Bon, là, vous allez me dire, vous en connaissez. J'en connais oui, moi-même. C'est un scénario qui explore la désillusion politique de la classe aristocratique. C'est un scénario où on joue de la politique et surtout les fractures idéologiques de la politique giropéenne. Alors, autant vous dire que c'est pas le genre de choses qui se joue comme ça au déboté. Ça demande un maître de jeu et un joueur ou une joueuse qui veulent jouer un scénario complexe et qui va vous demander d'incarner des gens que la plupart d'entre nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des aristocrates. On va devoir incarner des idéologies qui ne sont pas les nôtres et voir comment celles-ci vont se fracturer au travers des aventures qui vont se passer. Donc, tu vois, ça c'est une chose que j'apprécie énormément dans le fait d'être un indépendant. Ce scénario-là, je l'aurais proposé dans une grande boîte d'édition, on m'aurait envoyé bouler. Parce que déjà, un joueur, un maître de jeu, c'est pas très vendeur. Il faut un maximum de joueurs autour de la table pour pouvoir déjà vendre plus, hein, tout simplement. Ouais. Mais bon, il y a des tendances quand même maintenant. Hein. Il y a des propositions qui arrivent. Déjà avec le jeu de rôle solo, qu'on voyait pas avant. Ouais. Et le one-to-one, parce qu'il faut le dire à l'anglaise. Hein. Ça pointe le bout de son nez aussi, hein, je remarque. Ça pointe, quelques temps. Ouais. Ne nous mentons pas, ça reste encore une quantité négligeable pour la population. Déjà que le jeu de rôle est négligeable. Hein. Ouais. Mais alors maintenant, encore plus. Tu prends le jeu de rôle. Tu prends la toute petite communauté qui aime faire du 1 contre 1 ou du 1 avec 1, parce que c'est pas, tu ne joues pas contre ton maître de jeu hein, du tout. Tu joues seul avec un maître de jeu et dans ce microcosme, tu vas aller chercher des joueurs qui ont envie de faire un scénario politique. Tu te rends compte du nombre infinitésimal de personnes que ça risque de toucher. J'allais dire quasiment tous les gens qui ont joué à Rembrandt. Bonjour. Voilà. Ah, c'est pas la même chose que Rembrandt. Hein. Non, mais c'est vrai que c'était propice au one-to-one et justement à des trucs un peu tordus aussi. Et donc, voilà. Mais c'est un plaisir à sortir parce que je peux te dire que pour avoir fait. J'ai toujours fait jouer tous mes scénarios hein, avant de les publier. Mmh. Ils ont été joués, testés, playtestés. Et ben, je peux t'assurer que c'est des moments de jeu qui en sont restés marqués chez les joueurs qui ont joué ce scénario et qui m'ont tous dit. Ok, c'était éprouvant, c'était difficile, parce que le scénario, il fait plus de 90 pages. Là-dedans, on est sur 25 heures de jeu, facilement. Ah ouais. Ils m'ont dit, c'est éprouvant, c'est difficile, mais qu'est-ce que c'est intéressant. Ils ont vraiment apprécié la proposition, qui sort totalement des sentiers battus. Oui, parce que c'est vrai que les one-to-one, c'est pas aussi long, quoi. Non. Non, non, là, on est sur du long scénario. En même temps, je suis désolé, mais si on veut jouer correctement, si on veut jouer la décrépitude des croyances idéologiques d'une classe sociale, en 5 heures, je ne vois pas comment on peut aborder des thèmes profonds. Oui, en 4-5 heures, tu peux le faire, mais on sera plus en mode rapide et avec des moments de rigolade, tandis que tu veux le jouer vraiment sérieux, effectivement, il faut poser le truc. Quoi. Et voilà. Et en fait, c'est un peu la chose avec Argiropé, c'est que je vous propose des scénarios qui sont longs parce qu'ils sont. Outre le fait qu'ils soient travaillés, c'est des scénarios qui prennent le temps d'explorer leur thématique. Il n'y a pas des scénarios de 5 heures de Argiropé, il y en a deux. Mais c'est des scénarios très légers. Et moi, j'apprécie, c'est agréable, mais j'ai envie de vous raconter des choses. J'ai envie de vous faire vivre des choses. Et pour ce faire, je vais faire comme les vieux films. Je vais prendre le temps de vous exposer la situation. Oui, puis tu fais différents aspects de la ville et d'intrigue. Un coup de l'enquête, un coup du thriller, un coup de l'espionnage, etc. Quoi. Et tu changes les récits, en fait.
Exactement, je change en fait la manière d'aborder les récits, les thématiques sont toujours différentes, et en fait, bah, c'est ça, je peux me permettre d'aborder ce que je veux. Et si tu veux, maintenant ou après, on peut embrayer sur le futur Adar JRP, où je peux discuter des futurs scénarios et des thématiques, pas des thématiques, des styles de jeu qui seront proposés. Ouais, tiens, on pose une petite question, donc salut Kfedul. Est-ce que les livres de base sont encore dispo? Alors, ça aussi, c'est compliqué. Tout bonnement parce qu'il me restait un fonds de stock du premier financement et j'ai tout mis en vente au travers du nouveau financement. Donc, ceux qui cliquent sur une option, tu vois, tu as accès aux options pour 0 euros. Par exemple, vous pouvez cliquer dessus et dedans, vous pouvez aller piocher les vieux livres, les livres de base, l'écran, tout ça. Sauf que tout a été pillé. Tout a disparu. Toutes mes réserves sont parties. Donc, aujourd'hui... Là. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, il en reste plus que 3 en free pool. Et pour le reste, c'est tout vide quasiment. Ouais, premier pas, il en reste plus que 11. Ouais, mais au premier pas, c'est parce qu'il y en a beaucoup plus. Ouais, là, il en reste plus que 12 de Clair de Lune. Et voilà. Après, c'est du PDF. Non, tu PDF, peux descendre ça, c'est encore. Voilà, plus de bestiaires. Ouais. Plus de règles, je veux dire. Plus d'univers. Et plus d'écran. Voilà. Ah, mais qu'allons-nous devenir ? Eh bien, alors, pour répondre, donc, aujourd'hui, non. Ce n'est plus possible d'acquérir RJ-OP. Mais la communauté, le vieux geek et plusieurs personnes sont revenus à la charge en me disant « il faut réimprimer ». Il y a de très fortes chances pour que je fasse une petite réimpression. Donc, message à toutes les personnes qui sont intéressées, envoyez-moi un email. Mon email est facilement trouvable, c'est argirope@gmail.com. C'est pas difficile. Et vous pouvez le trouver partout. Et si tu descends tout en bas de la page, tu as mon email en dessous qui se balade. Tout en bas de la page du Game on Tabletop. Plus le Discord, le Facebook, l'Instagram. C'est à la limite si j'ai pas bientôt un TikTok et un Messenger. Oh là là. Mais je l'ai mis dans le chat et effectivement, il est ici. Voilà. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour commander les livres de base, les choses de la première édition, enfin pas de la première édition, du premier financement, envoyez-moi un email, comme ça vous êtes sûr d'être averti personnellement le jour où ça revient en ligne. Ouais, parce que sinon, je sais que par exemple, une petite discussion entre nous, mais c'est vrai que par exemple, les Douze Singes, quand ils ont voulu ressortir les 5 AG, ils ont refait un financement. Hein. Mmh. Parce que sinon, financièrement... Enfin voilà, faut y aller quoi. Ouais. Et surtout que moi qui imprime en petite quantité, ça me revient très très cher. Donc je peux pas me permettre de réimprimer 5 écrans ou 5 livres. Il faut que j'ai une demande, une masse suffisante. Que tu es sûr d'avoir des achats secs, bien sûr. Ouais. C'est normal. Exactement. Parce que je peux pas me permettre de réimprimer 50 exemplaires et de me retrouver avec 48 non vendus. Mm-hmm. Ouais, de toute façon, c'est de moins en moins. Hein. Tu vois que ça calcule. Je pense par exemple à la Loutre, hein, que j'apprécie beaucoup, qui a arrêté la distribution boutique parce que, comme toi, ça coûte un rein d'imprimer, de distribuer et autres. Donc, il fait au plus juste, quoi. Eh oui, hélas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en rupture de stock d'Argirop. Mais ça peut revenir assez rapidement. Je vais essayer, en tout cas, de. S'il y a la masse, si les gens m'envoient des emails, pourquoi pas. Ouais, bah écoute, le message est passé en tout cas. Donc je parcours un peu quand même la page du financement parce qu'il reste encore 9 jours. Donc ça s'arrête le 6 octobre. Hein. Ouais. Tu as déjà 146 souscripteurs pour plus de 11 000 euros, ce qui est quand même franchement. C'est monstrueux. C'est très bien quoi. Voilà. C'est n'importe quoi. Pour des suppléments d'aventure, voilà. Eh bien, tiens, si je peux me permettre de rebondir là-dessus. Depuis que je fais du jeu de rôle et que j'ai mis un tout petit orteil dans la communauté, j'ai rencontré pas mal de membres professionnels hein, du milieu. Et en discutant avec eux, ils m'ont tous dit la même chose. Ne t'embête pas à faire des suppléments. Ça ne se vend pas. Ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est des livres de base. C'est il faut des gammes. Il faut sortir plein de nouvelles gammes. Il faut sortir un livre de base, un écran, et tu passes à autre chose, et tu relances un truc. Les gens ont besoin de nouveautés. Ils vont acheter. Ils vont pas jouer de toute façon. Ton jeu de rôle, il sera presque pas joué. Sors des choses nouvelles. J'ai pas envie. C'est pas comme ça que je conçois RJ-OP. Moi, les gammes mortes m'attristent énormément. Et j'ai trop dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup trop de gammes qui se limitent à 3 livres. RJ-OP, je veux la faire vivre. Ou un,
Il y a pas mal de livres, il y a juste un livre et puis c'est tout. Assieds-toi sur le reste. Donc voilà, c'est pas Argyropé et je suis absolument ravi de voir que la communauté a suivi Argyropé et qu'un supplément d'aventure est quasiment au même stade que le premier financement participatif. Ben ouais. Ouais, j'en ai vu que vous êtes rare hein, les gammes et auteurs à proposer des choses qui où tu retrouves le même nombre voire plus. Je pense par exemple à Fabula Ultima, tu vois, ceux qui avaient raté le premier, ils sont venus encore plus nombreux sur le supplément avec les livres de base. Bon bref, c'est des cas qui sont pas les plus nombreux, mais non. Ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir. Alors, donc voilà, je fais vite fait les contreparties hein, pour celles et ceux qui auraient raté le train en marche. Hein. Donc, 0 euros, les options si vous voulez quelques livres de scénario, il en reste quelques-uns, comme on vous a dit. Un petit tips, hein, voilà, à votre bon cœur. Pour 20 balles, vous avez les scénars en PDF. Alors, à savoir que ça inclut, chaque fois que vous prenez une contrepartie, à partir de maintenant, hein, eh bien, vous avez automatiquement tout ce qui a été débloqué. Ouais. Les deux bonus. Donc là, en PDF, la gamme en PDF, vous avez en PDF les deux bonus. 20 si euros vous prenez... pour 4 scénars, ouais. Ça va. Ouais. On est bien. Pour 25 euros, vous avez le rêve de néant avec son PDF. La même chose pour les crépusculaires avec son PDF. Si vous voulez les deux, bizarrement, ça fait 50 euros. Incroyable. Ouais, oui. Je ne gagne bon pas masse, assez. Hein. Ouais. Je ne gagne pas assez pour pouvoir me permettre de faire beaucoup de réductions, en fait. Au niveau trésor, il faut y aller, quoi. On est d'accord. Et voilà, au niveau des offres. Donc, ça a le mérite de la clarté des propositions en termes d'offres. Ça fait savoir. Plaisir. Et donc, voilà, pour 50 euros, vous n'avez pas deux, mais vous en avez quatre. Quatre scénarios. Oui. C'est-à-dire, ils sont là, quoi. Oui, en plus. Et alors, je me permets de le montrer. Pour ceux qui ne... Non, non. Je peux en grand. Ouais. Bah, si. Enfin, vous avez les quatre scénarios. Là, ce que j'aime, ce sont les épreuves d'impression. Puisque, comme dans le premier financement participatif, tout est déjà prêt. Tout a été écrit, maquetté, enfin, écrit, illustré, relu, maquetté, testé, relu, imprimé. Ici, vous avez les épreuves d'impression avec leur dernière typo, leur dernière faute. Ça a été relu. Et aujourd'hui, les PDF sont prêts, ils seront livrés dès la fin du financement participatif. Comme le précédent. Voilà, comme le précédent, donc ça finit le 6, donc vous les aurez vers le 9 ou le 10, le temps que je mette tout en ordre, parce que juste avant, entre le 6 et le 9, je vais envoyer à l'imprimeur les livres. Et fait, il faut globalement attendre un mois et demi, je pense, si tout se passe bien, on verra, pour recevoir les livres, compter encore 2-3 semaines pour l'expédition. Donc, si tout se passe bien, vous recevrez tout ça avant Noël. Mais en tout cas, il n'y a pas, et voilà, il n'y a pas de promesse qui est faite dans Argyropé. Et d'ailleurs, ça, c'est une chose dont je voudrais être très clair. Voilà. Tout ce que j'ai jamais fait et tout ce que je ferai jamais en termes de jeu de rôle, Argyropé ou autre, ce que je propose en financement participatif, c'est quelque chose qui est déjà fait, fini, qui est prêt à être envoyé. Et les contreparties à débloquer ne sont jamais des contreparties qui sont « je vais vous écrire ceci, je vais lancer une illustration, je vais créer quelque chose à partir de rien ». Ou même c'est à 99% prêt. Non. On va dire que mon credo ici, c'est dans le financement participatif de proposer tout simplement des produits entièrement finis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas un palier supplémentaire, c'est parce que la communauté a usé tout ce que j'avais en réserve aujourd'hui. Ouais, vous êtes un petit peu de plus en plus, hein, nous on le voit, hein, où tu as des financements, où voilà, une fois que c'est financé, tu reçois ton PDF et il n'y a plus que, éventuellement pour des gens un peu plus gros, du maquettage à faire, mais tout est quasiment bouclé en fait. Donc ça évite les trucs à rallonge qui prennent des plombes et tout avec des retards parce que tu prends les monts et merveilles, quoi. Voilà, en fait, j'aime pas ça. J'aime pas prendre les souscripteurs pour des idiots. Et ça peut être fait avec les meilleures volontés du monde, hein, mais pour moi, à partir du moment où on fait un achat sur promesse, il y a un vrai problème. Mon père m'a toujours dit, quand tu achètes quelque chose, tu n'achètes pas du vent. Tu achètes quelque chose de solide, que tu peux avoir en main. Et j'essaie d'appliquer cet adage, en fait, tout simplement à mes financements participatifs. Je ne vous promets pas quelque chose qui n'est pas déjà prêt. Non, mais on l'avait vérifié avec le premier, donc
Voilà, je pense que là, tout le monde est rassuré. Bon, j'en profite que Caracol est dans le chat pour dire que le monsieur, en plus, il a turbiné sur Let's Roll, puisqu'on peut trouver maintenant Argirope dispo sur Let's Roll. Absolument. La méga classe, quoi. Ce qui est fantastique, bah c'est, je parlais de cette communauté, et un très grand merci à lui et à toutes les personnes qui ont participé. Eh bien, la communauté, elle se dit, bon, écoute, t'es bien gentil avec tes bouquins, mais t'es un peu vieux. Tu pourrais nous mettre ça sur du VTT, le Virtual Tabletop. Je sais pas faire. Moi, je l'utilise pas. Je suis un vieux. Je joue en présentiel. Et quand je fais des parties en ligne, c'est sur du Discord et c'est pas quelque chose que j'aime fondamentalement. Parce que RJRP, je trouve que ça ne s'y prête pas beaucoup. Mais bon, ça, je ne critique pas ceux qui le font, hein, bien entendu. C'est pas ma cam, c'est tout. Et donc, la communauté dit, écoute, si t'es pas capable, on va le faire. Et c'est fantastique. Caracol et d'autres personnes ont dit, ok, on va le faire. Il a implémenté ça sur Let's Roll. Et maintenant, c'est prêt. La communauté peut jouer sur Let's Roll. Et il y a une autre personne, Tigilou, qui est en train de faire la même chose avec Foundry. Ouais. Donc, c'est ça marche beaucoup par communauté, ouais. Ouais, et c'est fantastique, c'est un travail monstrueux, et ça permet de faire connaître RJROP pour que ceux qui aiment jouer en ligne puissent apprécier RJROP en ligne, et voilà, juste un grand merci à vous, j'adore. Ouais, c'est dingue, parce qu'on se rend pas trop compte de ce que c'est, mais coder comme des tarés et des barjots, juste pour la gloire, quoi, enfin pour la gloire, on se comprend, hein. Mais pour mettre à disposition de plein de gens les systèmes pour jouer en ligne, franchement, bravo. Mais comme tu dis, moi, je suis plutôt comme toi. Alors, par contre, moi, j'utilise le virtuel, mais c'est plus pour aller tester des jeux, plutôt qu'y jouer sur le long cours. Ouais. Ça permet de tester, tu vois, par exemple, d'autres créateurs qu'on a reçus comme toi, où on a pu tester le jeu, soit en amont, soit après. C'est toujours sympa. Mais de là à dire que je vais faire des parties dessus, c'est pas mon truc, parce que pas ma génération, tout simplement, quoi. C'est aussi bête que ça. Mais ouais, super boulot de Caracol. Comme j'ai vu passer le message qu'il avait envoyé, du coup, je me suis dit que ce soir, c'était l'occasion de dire ouais. Et bravo. Absolument. Voilà. C'est une très belle initiative. Ouais, donc, voilà. Pour le financement, il n'y a pas beaucoup plus, parce que quelque part, comme tu dis, tu as déjà tout débloqué, tout est prêt. Donc, maintenant, je pense que... Voilà, c'est aux personnes qui n'auraient pas encore souscrit, mais qui sont intéressées d'y aller, quoi. Voilà. Et en fait, clairement, tu vois, j'ai fait l'erreur de faire un financement un peu plus long que le premier. Ça n'était pas la bonne idée. Au moins, ce qui me permet d'apprendre de mes erreurs, je sais que le futur financement... Oui, je mets la petite remarque. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai aussi. Tout à fait, ouais. Felwyn. Ah, ouais, ça, moi, mais les joueurs avec qui je jouais quand j'étais jeune, ils sont éclatés dans le reste du monde. J'adorerais jouer avec eux encore, etc. Mais même là, nos emplois du temps sont pas viables. Donc, oui. Mais le seul moyen, ce serait par VTT, effectivement. Et ça, tu as tout à fait raison. Mais moi, ce que je vais apprécier, c'est qu'il y a un contact humain qui va me manquer dans le jeu de rôle si je joue en distanciel. C'est quand on se coupe la parole, c'est plus facile autour d'une table qu'au micro, je trouve. C'est ça qui manque le plus. Mais surtout, deux groupes de deux peuvent discuter entre eux du scénario en même temps autour d'une table. Mais enfin, il y a plein de choses. Il y a pas. Et puis, encore une fois, il faut pas diaboliser l'un et encenser l'autre. Non, du tout. Parce que par contre, la mise en place des maps, des tokens et tout, c'est génial, quoi. La vache, tu fais ça quasi. Oh, c'est fou. Le son, les images. Non. Ah ouais, les deux sont des expressions différentes du jeu de rôle. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est clair. Après, chacun ses goûts. On en parlait de quoi? Je sais plus. Ça, c'est l'âge, par contre. Attends, on était en train de. On avait discuté du VTT. On avait dit que c'est à peu près tout. Tu vois, j'ai été un peu trop long sur le financement. Je sais que le prochain financement participatif, ce sera 3 semaines maximum. Clairement. Ouais. Ce sera largement. Oui, c'est vrai que tu étais parti sur combien de semaines là, sur celui-là, je crois Un mois et demi, je crois. 4 semaines et demie, je crois, un truc comme peut-être. 3 semaines, 6 octobre. Ouais, ça fait un gros mois, quoi. Un gros mois. Et en 5 semaines. Ouais, en fait, c'est une erreur. À la base, c'était juste 4 semaines, mais je voulais à tout prix, en fait, passer le cap du début du mois pour tout ce qui est paye. Tout à fait. Mais en fait, clairement, et je voulais faire ça suffisamment tôt à cette rentrée septembre. En fait, à la base, c'était même prévu pour la fin août, mais j'ai eu des problèmes qui ont fait que j'ai dû décaler tout ça.
Et voilà, pour éviter le bouchon des nouveautés de septembre aussi. Donc sortir le plus tôt possible. Oui, alors j'avoue que c'est plus un bouchon cette année, hein. C'est l'iceberg qui a coulé le Titanic. Hein. C'est plutôt ça, hein, les avenirs dans Game On. Oh, et si c'était que Game On. Ouais. Non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le prochain sera plus court et situé à un autre moment de l'année. Je sais déjà lequel, je sais combien de temps, je sais tout ça, mais ça, on en reparlera dans un an et demi. Ben écoute, justement, pour embrayer sur la dernière partie, la suite pour RJ-Roupé, donc comme tu dis, d'autres scénars et puis éventuellement d'autres choses, si tu as envie d'en parler. Oui. Eh bien, aujourd'hui, il y a 4 autres scénarios qui sont en cours d'élaboration. Ouais. Donc, vraiment 4 comme ça, hein, on est d'accord. Ouais. Il y en a 4, sachant qu'il y en a un qui est pas loin de la complétion, avec quasiment toutes les illustrations livrées. On va commencer la partie test en novembre avec mes groupes de joueurs. Et là, cette fois, c'est un scénario d'horreur. Donc, à nouveau, un autre thème que tu abordes, quoi. Voilà, un autre style de jeu. On va jouer de l'horreur. Viendront d'autres scénarios. Il va y avoir, entre autres, je ne vais pas aller dans le détail de tous, mais il y aura un scénario qui va être tourné autour d'intrigues économiques et occultes. Et il va y avoir au moins un autre scénario qui va être dans un style noir, les films noirs, les enquêtes noires. Et donc voilà, ça c'est ce qui est en prévision. Mais pour 2025, il y a déjà un scénario qui sortira. Mais celui-ci, donc il n'y aura pas de financement participatif parce qu'il a été arraché de mes mains ce financement. Voilà, c'est fait. Il y aura peut-être une petite surprise de plus en 2025 et on ira ensuite en 2026 pour la suite, très probablement. Je ne promets rien, je ne donne aucune date, on verra en fonction de ce qui arrive, de mes contraintes personnelles et de tout. Par contre... Ouais, j'en profite avant de parler justement des autres projets, parce que là il y a une question de Linou, puisque voilà, coucou Linou, qui elle aussi prépare des financements, donc entre créateurs, voilà, c'est le moment d'échanger. Mmh. Elle est en train d'en préparer un pour le printemps, donc elle va bien avoir des avis sur la durée des financements, parce que c'est vrai qu'on voit des durées qui vont de, j'en ai vu qui font des 3 mois, d'autres qui font une semaine pour Black Book, hein, pour le plus rapide Flash, des 15 jours, je dirais 15 jours, 3 semaines, c'est ce que je vois le plus, je dirais, et surtout, généralement, comme tu dis, à cheval sur les mois pour les payes, quoi. Donc, je sais pas toi. Alors, écoute, je vais répondre à ça, et je vais te donner une mission. Peux-tu, s'il te plaît, aller sur la page du premier financement participatif d'Argiropé, parce qu'il y a littéralement les graphes qui expliquent tout ça. Linou, déjà, bonsoir à toi. On n'a jamais eu l'occasion de discuter ensemble. Ce serait un plaisir un jour d'avoir cette opportunité. Et ça me ferait plaisir de... je vais répondre à ta question. Cher homonyme, remonte tout en haut, s'il te plaît. Mais bien sûr. Et tu vas dans les news, tu vois, là où c'est marqué, je crois, 14-24. Voilà, clôture, bilan et perspective. Là-dedans, j'ai tout expliqué, vous avez le bilan financier, j'ai été entièrement clair et je le serai encore ici. Mais si tu descends encore un peu, tu devrais avoir des graphes qui vont apparaître. Attends, t'as l'avenir. Un autre projet dans la manche. Vas-y, descends. Fin. Non. Oh, me voilà embêté. Alors... Si je t'envoie à toi par email une image, tu peux la montrer? Oui, bien sûr, carrément. Alors, je m'excuse, hein, c'est pas très très fun de faire ça. Oh non, ça passe. Si tu savais tout ce qu'on fait en coulisses, oulala. Ouais, enfin, c'est pour ceux qui nous écoutent, malheureusement, c'est pas très fun. Veuillez m'excuser, j'en ai pour 3 secondes. Voilà. Donc. Monsieur va m'envoyer un email sur le compte Indécent Podcast, n'est-ce pas? Que je vais bien sûr recevoir. Alors. Et la pièce jointe sera immédiatement téléchargée et mise en ligne. Ouais, alors il faut devant pas que vos yeux S-Body. Ouais, faut vraiment pas que je t'envoie un truc où je me loue. Chelou. Oui, je suis d'accord. On va éviter. S'il te plaît. C'est clair, ce serait gênant. Alors, tac. Nom de nom. Pendant ce temps, à Veracruz. Elle était pas mal, ça, je trouve. Voilà. Alors, les courbes sont bien là. Data State Funding. Ok, c'est pour ça que ça ne s'ouvre pas. Ouais, parce que j'ai bilan moral, l'avenir. La rubrique charme.
Ah oui. La plus intéressante. Comment je vais vendre au mieux Argyropé? Ouais. En exhibant mon torse, par exemple. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Oui. Je comprends, je comprends. Non, mais je comprends. On va pas juger. Ouais. j'ai vu quelques financements participatifs qui jouaient sur ce genre de tableau. Et bon, voilà. C'est bon, l'email est envoyé. Okay. Donc, Linou et tous ceux qui nous écoutent, un financement participatif pour des gens, on va dire, qui ne sont effectivement pas dans les ultra grosses boîtes d'édition, il a une durée optimum qui va être de 2 à 3 semaines. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a des ventes dans les financements participatifs les 2 premiers jours et les 2 derniers jours. Et tout ce qui entre, globalement, il y a très très peu de ventes. Très peu de ventes. C'est du temps mort, c'est du temps qui sert à rien. Alors, c'est du temps qui est utile pour parler justement du projet, de le faire connaître, mais voilà. Là, vous avez les données réelles d'Argyropé. Toutes les données du premier financement participatif. Voilà. Et vous avez, donc c'est moi qui les ai faites. Et vous avez la courbe en haut à droite qui vous montre le nombre de souscriptions journalières. Et le premier jour, c'est là où vous avez le plus de souscriptions et juste en dessous, le nombre de le montant collecté. Et les 2 premiers jours, c'est là où ça bombarde le plus. Mmh. Et après, vous tombez dans un creux, en fait, dans une vallée où il ne se passe plus grand-chose. Ouais, le fameux U. Voilà, c'est une courbe en U. Et en fait, pas tout à fait en U, parce que la deuxième, la remontée, en fait, vers la fin du financement, c'est les gens qui attendent justement que le financement finisse pour pouvoir prendre un truc avec tout ce qui est déjà débloqué. Mmh. Elle est plus petite. Donc en fait, il faut essayer de réduire cette période du U pour que bah, y ait pas de temps mort et que en fait on passe rapidement à la production, qu'on passe rapidement au comment dire à mettre en place en fait, à envoyer les contreparties, à faire quelque chose. Donc si comme aujourd'hui avec Argyropé, cette mouture de la deuxième financement, on est sur 5 semaines, moi ça fait 2 semaines qu'il se passe plus rien sur Argyropé. Mmh. Il y a une contribution tous les jours ou tous les 2 jours. Ça n'apporte rien fondamentalement. C'est fantastique, hein, c'est toujours des gens qui contribuent. Mais si on veut d'un point de vue statistique, on va parler que de nombres. Dans ce cas-là, c'est une période de creux, de temps mort. Et il faut la réduire au maximum. Et en fait, vous pouvez aller chercher, Linou, tu peux le faire, ou tous ceux qui ont envie de faire un financement. Il y a les statistiques qui sont données par Kickstarter, par plein d'autres plateformes qui, elles donnent leurs statistiques. Tout type de financement confondu, elles ont toutes ces courbes en presque U, ouais. Et surtout, elles vous donnent le meilleur moment de la journée, le meilleur mois de l'année pour soumettre vos trucs, et les durées. Et c'est très clairement montré qu'une durée qui excède 3 semaines, c'est un temps mort excessivement long qui ne sert à rien. Et ouais. Entre guillemets, j'en fais des frais aujourd'hui, c'est une erreur de ma part, mais la fois prochaine, ce sera 3 semaines. Entre 2 et 3 semaines, c'est pour des financements comme bah, des gens comme Linou et moi, c'est-à-dire qui ont une petite communauté, mais on n'est pas des grands. Enfin, je vais parler pour moi, je suis pas un cador du domaine, et donc je vais pas faire vendre comme l'auteur de Brigandine ou ce genre de choses. Donc c'est normal. 2-3 semaines, c'est parfait. Plus long, c'est du temps mort. Plus court, c'est pour ceux qui ont déjà un nom et une renommée phénoménale. Eux, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de ce temps mort. Ils compressent tout, 1 semaine, ça leur fait un grand pic et c'est tout. Voilà. Ouais, alors je mets la remarque de Feldwin, hein. Il y a 2 étapes, le début, s'il y a des early birds, etc., et la fin quant à la paye, mais si dit, effectivement, le pic de fin est toujours moins élevé que le premier de toute façon. Ouais. De toute façon, et sauf quand tu t'appelles Brandon Sanderson, mais ça, c'est une exception. Attention, le pic de fin n'est pas corrélé avec l'arrivée des salaires. Ce qu'il faut corréler, c'est la période de lancement et de fin du financement participatif. Oui. Et pour que ce soit le plus efficace, alors là, je vais être très... je mets une casquette d'économiste, hein, je vais parler sans sentiment, mais au moins, c'est du dialogue brut et clair. Si vous voulez que votre financement soit rentable, il faut à tout prix qu'il commence avant la période de paye de fin de mois et qu'il finisse après la période de paye de début de mois. Donc, c'est en fait, ça. Si vous étalez sur 2 à 3 semaines, vous couvrez 10 jours avant, 10 jours après, le début du mois. Et donc, vous avez toutes les personnes qui ont leur salaire à ce moment-là. Et donc, elles sont plus à même d'investir. En milieu de mois, les gens n'ont plus d'argent. J'exagère un peu, bien sûr, mais on se comprend. Les gens ont moins d'argent à investir dans du jeu de rôle, par exemple. Et ben, fondamentalement, les ventes sont moins bonnes. Donc, voilà. Il y a plein de choses. Et encore, il y a encore beaucoup d'aspects à prendre en compte là-dedans. Ouais. La communication, Ouais, justement, j'allais en parler.
pour nous. En fait, c'est, voilà, pour vous, mais c'est plus compliqué que ces simples graphes encore. Hein. Il y a plus de choses comme ça. Donc, à la limite, on pourra en parler plus en privé, mais il y a énormément. Alors, là, vous voyez une courbe en jaune. Lu et al. C'est une courbe à 3 sigma. Pour ceux qui font un peu de statistiques, ça leur parle. Je suis allé faire récupérer les papiers de recherche qui sont disponibles gratuitement sur Internet, des papiers de chercheurs en économie, en statistique, en sociologie, en démographie, qui se sont intéressés au principe du financement participatif. Et eux, ils donnent justement, en particulier, ils identifient les clés du succès et les clés d'échec. Mmh. Et ça va plus loin que ce que j'ai simplement présenté là. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et vous pouvez voir en fait que sur l'une des études que j'ai citées ici, eh bien, RJOP colle très bien dans la courbe à 3 sigma. Ouais. Donc en fait, leur statistique s'applique complètement. On le voit très bien. Et je ferai la même chose pour ce deuxième financement participatif. Mmh. Ok, bah écoute, hop, j'enlève le PDF du coup. C'est vrai que j'en profite, alors on fait une petite discussion financement, parce que c'est toujours instructif de toute façon. C'est toujours sympa aussi d'avoir les coulisses un petit peu de comment c'est fait, mais c'est vrai qu'aussi, là je vais parler pour nous, les chaînes rôlistes, et puis les sites, hein, je pense au Fix hein, par exemple, hein, qui est vachement bien. Tiens, coucou Dani d'ailleurs. Il y a aussi le fait qu'on est très souvent contacté par des auteurs, des éditeurs, des créateurs et autres, pour parler de leur financement, justement, sur la période du financement, un petit peu avant, le jour même, très peu de jours après. Donc c'est vrai que ça fait un embouteillage, c'est pour ça que vous avez souvent les mêmes qui passent sur différentes chaînes en l'espace de 3-4 jours. Mais c'est normal parce que ça colle à ce que tu dis. Parce que si tu ne parles pas de ton jeu dès le début, c'est compliqué après. Mmh. Mais derrière, c'est vrai que moi je sais que quand je t'avais contacté, puis d'autres aussi, c'est vrai que moi j'aime bien aussi avoir l'interviewer pendant les périodes creuses justement. Où c'est un petit peu plus calme, parce que vous, ça vous permet de faire redémarrer un peu la machine. Exactement. Nous, ça nous permet de parler peut-être de façon plus détendue, avec moins le stress du début, parce que c'est financé. Voilà, donc il y a plusieurs façons aussi, en termes de communication, d'aborder les financements. Ouais. Sans compter les pages Facebook, les mailing lists, les newsletters, ça marche bien plus que ce qu'on croit. Ouais. Et en fait, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, ce sont les réseaux sociaux et les forums. Cassius No, BBE, Quode, etc. Ce sont des forums sur lesquels il y a pas mal de gens qui me connaissent via ces forums. Mmh. Et moi, je suis pas à la page, forcément, mais j'ai un Facebook. Honnêtement, le Facebook, ça sert plus à rien. Il y a rien via Facebook. C'est un réseau social qui est pour le jeu de rôle, pour la publicité du jeu de rôle qui est en retrait comparé aux autres. Mais ce qui marche aujourd'hui, c'est Instagram, c'est TikTok. Et ça, il faut s'y mettre. Moi, je suis pas sur TikTok pour certaines raisons, mais j'ai quand même un Instagram. Tu y viendras. On verra. Quand tes enfants seront plus grands, tu verras. Bon, il y aura peut-être un autre réseau d'ici là. Mais voilà, tu vois, je suis sur Discord, je suis sur pas mal de trucs. J'ai pas un Twitch moi-même parce que j'ai pas le temps de faire des Twitch. Mais si j'avais un Twitch, je serais régulièrement avec ma commu pour en discuter, ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, un succès d'un financement, ça passe aussi par énormément de communication. Ouais. Bon, c'est vrai que moi, je t'avoue que faire des interviews à la cool, moi, j'aime bien aussi. Ça change. C'est plaisant, bien sûr. Il y a moins le F5. J'en discutais avec pas. Il y a beaucoup de gens dans le milieu avec qui on a sympathisé, donc qui nous racontent aussi comment ça marche en coulisses. Et c'est beaucoup de stress dans les 3-4 premiers jours, hein, clairement, hein, jusqu'à ce que le jeu soit financé et que tu te dises, OK, là c'est bon, on va pouvoir commencer à avancer dans le truc. Ouais. Donc, c'est beaucoup de stress, hein. Attention, faire un financement participatif, c'est chronophage. Et c'est aussi un vecteur d'anxiété qui est assez prépondérant. Je veux dire, on dort mal hein, les premiers jours. Enfin, les quelques jours avant le début du financement, les nuits sont anxieuses. Ouais. Et même pour des gens qui sont quasi sûrs d'être financés, c'est la même. Hein. Oui, oui. Bon, on va le dire comme c'est. Hein. Voilà, pour discuter avec beaucoup de gens, vous avez l'impression que c'est des éditeurs qui sont bien implantés et autres. Non, il y a du stress. Il y a du stress. Clairement. Voilà. Et puis surtout parce que la conjoncture actuelle fait qu'aussi c'est plus compliqué. Mais voilà. On va pas refaire un cours d'économie ce soir, mais c'était effectivement l'occasion avec Linou de discuter un peu coulisses, c'est toujours intéressant. Mmh. Donc on discutait justement de tes autres projets, après les scénarios qui sont prévus pour 2025. Alors, ouais.
grâce au financement actuel, bah, je vais avoir un petit peu d'argent en plus. Alors, pour ceux, ça c'est tout écrit dans la page du premier financement. À la fin du premier financement, malgré la levée de fonds de plus de 15 000 euros, il m'est resté à la fin 96 euros. Après avoir tout fini, tout envoyé, tout emballé, tout, 96 euros. Donc, autant vous dire que c'est pas avec ça que je gagne ma vie. Mais avec ce financement, il va y rester un peu plus, si tout se passe bien. À moins que j'ai fait mes calculs très très mal ou qu'il y ait une crise du papier encore une fois. Donc, il va me rester un petit pécule. Et ce petit pécule, eh bien, la communauté dit, bah écoute, il y a un truc qui nous plairait bien et quelque chose qui me trottait en tête. Je ne vais pas mentir, quelque chose qui me trottait en tête depuis longtemps, c'est faire une très très belle carte d'Argiropée. Dans le livre de base d'Univers et Secrets, il y a une vue de dessus, une vue en coupe, il y a des zooms, il y a des schémas, mais c'est une vue fonctionnelle. Elle a été faite par quelqu'un qui n'est, par une fille qui n'est pas cartographe de profession, et elle a fait quelque chose qui me plaît, mais c'est représentatif, c'est simple. Ça marche très bien pour ce qui doit être fait, c'est-à-dire représenter l'immensité d'Argiropée, savoir où sont les quartiers, comment on passe de l'un à l'autre, c'est fonctionnel, c'est très bien. Mais par contre, une très belle carte, grand format, en couleur, avec beaucoup de détails, c'est vrai que ça ferait plaisir à Argiropée. Donc, aujourd'hui, en fait, sur le Discord, qui est plutôt actif, hein, faut pas se mentir, eh bien, il y a du débat. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Réimpression, création d'une carte couleur, est-ce qu'il y a un petit bonus qui va être envoyé aux illustrateurs, etc. C'est quelque chose dont je discute avec tout le monde, que j'apprécie avoir des retours et des avis. Donc, oui, je vois une carte par Monsieur Son Filippo, donc Olivier, si tu passes par là, ce sera peut-être pas le même budget. On va pas parler de budget, parce que c'est quelque chose qui est propre à chaque illustrateur, et je pense que les illustrateurs seraient extrêmement, extrêmement mécontents si je commençais à donner leurs tarifs. Tout à fait. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que là, je vais voir combien il reste. Ça, c'est la première chose. Quand tout sera fini, tout envoyé, quand j'aurai bouclé et fermé la porte de ce deuxième financement participatif, je ferai le bilan financier, je regarderai combien il me reste. Et en fonction de combien il me reste, je sais combien je pourrais potentiellement investir dans une carte. La communauté a été super, elle m'a proposé des noms. Et elle continue à le faire, comme vous pouvez le voir. Donc, on verra en fonction du budget, et puis en fonction de la disponibilité et de l'envie des illustrateurs. Exactement. Parce qu'il y en a certains, c'est carnet de commandes. Bien sûr, c'est normal. Donc, on verra. Plus, il y a des styles que moi, je vais privilégier comparé à d'autres. Forcément. Bah, si tu fais Renaissance Fantasy, tu vas pas demander un style néo-gothique, quoi, par exemple. Non, effectivement, des cartes à la Tolkien ou ce genre de choses, pas du tout. Eh ben, écoute, on est pas mal. Hein. Je pense qu'on a fait un tour quand même bien complet. Je peux conclure sur un petit truc, c'est que ne vous attendez pas à ce que je sorte un autre jeu de rôle qu'Argiropée durant les prochaines années. Je vais me focaliser entièrement dessus. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une surprise qui puisse arriver un jour, mais ce n'est pas prévu. Je ferme aucune porte, mais ce n'est pas prévu. Je vais continuer à travailler sur Argiropée parce que c'est une gamme que je veux faire vivre pendant autant de temps que ça vous plaira et qu'il me plaira de travailler dessus. Oui, il y a les deux qui rentrent en ligne de compte, forcément. Il faut aussi que ça te plaise, sinon ça n'a pas trop d'intérêt non plus, quoi. Le jour où Argiropée, pour des raisons, je ne sais pas, X ou Y, commencera peut-être à m'intéresser moins, j'aurai aujourd'hui, tu vois, là avec ça, on en est au supplément 7. J'ai déjà atteint mon objectif personnel d'auteur de jeux de rôle, qui était de faire autant de suppléments que de suppléments dure le lune. Et oui. Voilà, 7 suppléments. C'est un truc qui m'a toujours, tu vois, enfin, c'est une petite, comment dire, c'est personnel. Hein. C'est ton hommage perso. C'est mon hommage perso. J'ai Hurlelune qui, effectivement, est sorti de nulle part, qui a eu un succès d'estime incroyable. Ouais. Alors, je ne compare pas Argiropée à Hurlelune, Hurlement, pour la qualité, pour le travail, pour les illustrations, pas du tout. Je parle juste du nombre de suppléments sortis. Et aujourd'hui, j'égale simplement en quantité, pas en qualité, Hurlement et Hurlelune. Donc, je suis content. Et ça te donne pas envie, justement, un de ces jours, d'écrire carrément une nouvelle ou un roman dans l'univers d'Argiropée? Ça m'a été proposé.
Alors, je pense que je ne suis pas assez doué pour écrire un roman. Je pense que mon style est un peu trop pesant pour une lecture agréable sur plusieurs centaines de pages. Ça marche très bien, ou j'espère que ça marche très bien, pour des scénarios, parce que là, la lecture est plus facile, elle est fragmentée, elle est descriptive, elle est technique. Un roman, je ne sais pas si j'aurai les compétences et le style littéraire appropriés. Et en plus, écrire un roman, c'est du travail. Or, le temps passé sur l'écriture d'un roman d'Argiropé, c'est du temps que je ne passerai pas sur les nouveaux suppléments. Sur les scénarios, tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, je privilégie l'avancée et le futur de la gamme. Mais tu vois, tu dis, il faut commencer par les nouvelles. Mais après, voilà, toujours pareil. Même une nouvelle, il faut quand même la travailler. Et même pas un peu petit à la speedrun, oui, puisque speedrun était quand même. Alors, excusez-moi les termes, un putain d'ovni, quoi. Excellent. Franchement. Alors, pour ceux qui. Je me souviens quand tu nous avais teasé le truc par mail, on était morts de rire. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là ? Puis d'un coup, ça, je sais qu'Antoine l'avait lu, il a dit, oh, putain, mais c'est quoi ce truc de malade ? Donc, ouais, pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai fait une infidélité à Argiropé. Après avoir sorti Argiropé l'année dernière, en fin d'année, j'ai sorti un tout petit livret qui s'appelle Speedrun RPG, dont le but, en fait, est d'appliquer une surcouche de règles à n'importe quel jeu de rôle que vous avez, qui va vous permettre de speedrunner. Comme dans les jeux vidéo, vos scénarios. C'est-à-dire que vous allez rejouer des scénarios que vous avez déjà faits, donc vous connaissez l'histoire, vous connaissez la fin, mais avec le but d'aller le plus vite possible à la conclusion de l'aventure. Trouver les glitches et tout. En utilisant toute la panoplie des speedrunners de jeux vidéo. C'est-à-dire les glitches, les out of bounds, vous allez abuser des règles, vous allez changer le tirage aléatoire, vous allez skipper des boss, vous allez skipper des descriptions du maître de jeu. Bref, l'idée, c'est d'ajouter en fait simplement un fin liseré de règles par-dessus votre jeu de rôle normal et vous allez le casser, vous allez le briser. Vous allez finir une campagne qui vous a pris, je sais pas, 30 à 40 heures de jeu en une heure. Vous allez déglinguer les boss, vous allez martyriser, vous allez humilier les personnages non-joueurs. C'est du n'importe quoi autour d'une table, parce qu'en fait, c'est un travail collectif. Le speedrun est une activité collective dans le jeu vidéo. Et c'est pareil dans le jeu de rôle. Ici, l'idée, c'est de travailler avec le maître de jeu, définir, OK, on va faire un speedrun, mais le but, c'est pas juste d'arriver le plus vite possible à la fin. On va s'imposer des contraintes. On va le faire en deathless. Alors imaginez faire un scénario de Cthulhu, arriver à la fin sans jamais être mort. Puis on va le faire sans jamais se faire voir par un ennemi. Puis on va le faire sans jamais prendre une seule potion. Puis on va le faire et ainsi de suite. Et en fait, ça va vous donner des couches de complications qui font que vous allez devoir aborder le jeu d'une manière différente. L'histoire n'a plus d'importance puisque vous l'avez déjà joué. Donc vous ne la sabordez pas, vous l'abordez d'une manière différente. Et là, c'est des éclats de rire autour de la table en continu pendant une durée plutôt courte, mais complètement halluciné. C'est l'équivalent du trophée platine de Limbo. Finir le jeu avec moins de 3 morts. Bonne voilà. Chance. Ceux qui savent, sachent. Voilà. Donc, on n'est pas à l'abri, peut-être qu'un jour quelque chose comme ça sorte, mais je n'ai pas de projet de le faire aujourd'hui. En toute honnêteté, hein, je n'ai pas de projet à la speedrun à proposer. Ouais, mais ouais, il faut avoir le truc du moment et tout qui vient pas bouffer le temps que tu consacres à ton taf, à ta famille, à tes loisirs, plus l'écriture d'Argiropé, ce qui est quand même pas mal. Hein, oui, ça prend du temps. Il faut dire que Speedrun était déjà prêt dans ma tête depuis longtemps, donc ça a été un travail petit. C'est 48 pages au format d'un livret de PS1. Ouais, c'est excellent. C'est le format notice de jeu vidéo, ouais. Oui, c'est vraiment le format d'une notice de jeu vidéo. C'est excellent. Franchement, excellent. Voilà, avec du pixel art, avec une barre de chargement, avec. Voilà, j'ai appliqué tous les codes du jeu vidéo. Et à savoir que pour Speedrun RPG, j'ai été en contact avec la communauté Speedrun et j'ai des speedrunners qui ont validé tous les glitches, tous les machins. Ils ont vraiment été derrière pour valider le livret d'un point de vue technique. Eh bien, écoute, regarde, je mets le petit mot de la fin. Déjà, premièrement, en ce qui me concerne, je te remercie beaucoup d'être venu dans l'émission pour papoter, tu vois. Au début, on se disait, ouais, on va papoter du financement, ça va aller vite. Regarde, on est déjà à 1h40. Donc, merci Linou, parce que du coup, ça nous a permis, avec la question qu'elle a posée, d'aborder d'autres sujets des financements. Donc, c'est super intéressant, vraiment, enfin, voilà, un vrai régal. Donc, merci à toi, Fred, d'être repassé. Et puis, j'allais dire, en fait, quelque part, en tant que quasi-voisin, tu repasses quand tu veux, en fait.
En voilà. tout cas, c'est un plaisir de venir chez vous. Tu passeras mon bonjour à Antoine. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer vraiment les autres, mais bah, j'adore venir discuter avec toi et avec toute la communauté de mes productions et du jeu de rôle en règle générale. Ouais. Avec, une autre fois, juste même pour papoter avec plaisir et peut-être vrai, justement, un jour. Oui, c'est prévu de toute façon. Et puis j'en profite dans les aspirations avant de clôturer. Alors, je sais pas si tu l'as lu celui-là, mais c'est vrai que ton jeu me fait penser à ça. Non, pas du tout. De Tigane, donc c'est de la Renaissance Fantasy, hein. Puisque Tigane, c'est un état et une cité qui ont disparu des mémoires. Ok. Voilà. J'en reparlerai plus en détail de celui-là parce que c'est un monument de la fantasy. Ah bah, c'est comme Parlinte dans Hearthstone, alors. Voilà. Je pense qu'ils ont, ils ont dû lire ce truc, enfin, à mon avis, mais bref. Donc, il me reste, donc, comme je disais, à remercier tous celles et ceux qui étaient présents ce soir avec nous. Pour mémoire, comme d'habitude, dès demain matin, vous aurez la version podcast disponible sur vos plateformes préférées. Vous aurez tous les liens, bien évidemment. Donc, je pense que je le mettrai en ligne à 7h30, 8h du mat. Si tout va bien, d'ici demain, soit le midi, soit 18h, 19h, vous aurez la rediff sur YouTube, avec le chapitrage, les liens qui vont bien, tout ce qu'il faut. Et comme d'habitude, ben, si cette émission vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Puis vous partagez, vous likez, vous commentez. Si vous avez des questions sur RJ-ROP, on fera suivre à Frédéric. Sans problème, ou si tu as envie d'y répondre directement, tu te fais plaisir. Je viens toujours répondre autant que faire se peut aux c'est vrai. Commentaires. On l'avait vu la dernière fois déjà, tout à fait. Ouais. C'est le minimum. Hein. Si vous faites l'effort de poser une question, je dois prendre le temps de venir vous répondre. Eh ben écoute, voilà. Donc, on vous dit à toutes et à tous de passer une bonne soirée, un très bon week-end, et vous avez le coucou et le bonsoir des deux Fred. Ciao, ciao. Au revoir. Salut. Merci beaucoup.